お兄ちゃん Bonsoir oh. Pourquoi Chaise, elle a deux fois le... Ah non Ça se fait qu'elle a réussi Bah oui, comment elle a réussi là, Alors que je pense tu... je sais. Oh. Je pense je sais pourquoi. Robert Pourquoi une... ah, oh, ça fait bien là <laughs> Je pense je sais pourquoi Chaise a réussi à refaire le succès parce qu'en en fait je l'ai mis à jour avec les nouveaux trucs que m'a demandé de rajouter dedans et du coup je pense que ça, quand j'ai réenregistré... Ah vous nous entendez a... ou pas, c'est bon Ça a repris à zéro quoi. Ça a repris à zéro. Ouais, voilà. Je t'ai ouais. Comme la fois, j'avais mis les deux commandes possibles, oui. le first et ça foutait la merde parce que vous vouliez faire deux fois. ce que je comprends pas. Du coup, nickel. Oui, on t'entend. Nickel, vous vous entendez bien La musique en fond érotique escapade mix, vous entendez <laughs> Vous entendez bien ou Vous êtes Coucou. tout beau. Jamais autant que toi Justine, c'est ça la différence. Justine. Et GG Justine pour les 70 visionnages, bij... ouais. Ah bon 70. Ah ouais. 70 ah, ouais, fort, mais en, en vrai, let's go! Parce que t'avais rompu ton truc avec le moment où t'étais. T'avais fait quoi? Non, pas Justine. Si, si, Justine avait rompu son truc et était dead ah pour ouais. je sais plus quoi. Ah non, non, je confonds ta zone avec chaise. Ouais, tu, tu confonds avec chaise, je pense. On wow, parlé, on hein. Bonjour Johnny Cookie, bonjour Chaise, bonjour Justine, bonjour Umiria, bonjour Papa Dyson, bonjour. Umiria. J'ai dit? Ah bon? Ouais. J'ai pas entendu. Pas. Bah, ça va bien là, toi, Papa Dyson? Comment ça va, Papa Dyson? Oui, c'était ça, c'était une soirée. Ah, je savais bien qu'il y avait un truc. J'avais Vous avez tous coup. vos moments où vous loupez, vos... bah, vous, vous cassez votre chaîne, c'est horrible. Je comprends. Non, mais chaise et Justine, je vous confonds tout le temps de façon. Moi. Vous avez la même, couleur, la même couleur. Vous dites coucou toutes les deux. Ouais, vous avez euh, le, la, même la même mentalité. Humeur. Même mentalité un peu, non Ouais, vous êtes une grosse droitarde, quoi. Hein Une broitarde. Ah oui. Du coup, je suis Louniaque. Un coup, je suis. Un coup, je suis Louniaque. Un coup, je suis Justine. et Ou un jour, je suis Yaz. Yes. Par contre, c'est pas Louniaque, c'est C'est on est jume-jume. Ah, jumelle-jumelle. J'ai jumelle. okay. mmh. risub, il n'y a pas d'alerte de sub. Faut Alors, actualise la page et ça va te proposer de le, de le, de le partager. Toutes les deux des femmes, tout à fait. Exactement. Exactement. C'est fait des énormes points communs. Hein. Ça fait beaucoup, là. Ça fait beaucoup, là, non Ça fait beaucoup, là, non. Donc, vous nous attendez bien, la musique en fond, ça va Ouais, je pense que ça va. Je pense que c'est très léger, mais. Frangine. Ça suffit. Oui, et bientôt, Frangine. Elles vont avoir toutes les deux une frange. Alors, ouais, bon. Euh... Je sais ce qui va pas son rendez-vous. Euh, je sais pas hein. Comment ça elle va pas son rendez-vous Bah sais, elle avait rendez-vous chez le coiffeur. Oui, elle avait... Elle y est été... pas allée. Ah merde bah, alors Elle, elle est... avait rendez-vous pour sais, une, une expertise. Oui. Elle y est allée, qui lui a donné un rendez-vous le lundi d'après pour la coupe, elle ah, est pas allée. Ah merde Mais ça, bah... ça va pas Allez. ça ouais. que tu fais ouais. Un an C'est le moment de lancer une vidéo d'anniversaire pour les un an Ça fait un an, chacal ça rend un dancing, ça rend un choc Ça rend un choc En Russie. je trouve que ça va bien, euh, j'aime les ah. oh. Un peu déçu que ça se. Ça fait peur, ouais, ça fait peur. Non. Tu vas bien, Leclerc Comment ça va, Leclerc Ouais. C'est des vidéos random, les gens, j'y peux rien. Et d'ailleurs, on a vraiment pas de chance parce qu'à chaque fois que je lance, on a toujours, toujours, toujours. Le... Comment s'appelle le catcheur euh... ah, euh, The Rock. The Rock à chaque fois qu'il fait de l'anniversaire, alors c'est une des de random sur 15, et ça fait trois fois que je lançais et que c'était The Rock qui faisait ah ouais. Happy Birthday to you! Et je sais pas pourquoi, mm. oui, The Rock, okay. c'est ça, et je sais pas pourquoi c'est tout le temps lui, mais là au moins on a un nouveau truc. Oh, oh la vache, oh, il, a, il, a, il, a, il a pas de plus de la bite un peu. Ouais, ça va, c'est bien, Leclerc, c'est bien parce que j'avais un peu peur qu'il aille pas bien, Leclerc, parce qu'à chaque fois qu'on fait euh, les livres Tentations au supermarché, j'ai toujours peur qu'ils soient un peu gênés par rapport au Leclerc et tout, ça bah oui, me bah, c'est En fait, c'est un... un livre sur sa vie. Donc franchement... Attends, attends. Attends, j'ai hâte de voir. Nous, on a le retour après. Merde, on a le retour après, c'est une dingue. Ouais, ça va. Ça va, pour une fois, je suis pas horrible. Happy, happy birthday to you. Ouais, c'est ça. Happy, happy birthday to you. Happy birthday, dear. C'est celle-là. Je l'adore. Avec sa putain de bière, là, je l'adore. Il est incroyable. Happy birthday to. Non, c'est. Oh, c'est son rhum. Non, c'est un tequila ou son rhum, je sais plus. Ce qu'il fait. Il fait de la tequila, il a une marque de tequila, ouais. Il est connu pour ça, c'est stylé. Euh, vous allez bien Ouais, super, on va bien. Euh, on est sur la dernière lecture du livre Tentation au supermarché. Euh, The Last le... One. The Last One, c'est ça, le dernier tome qui s'appelle Lune de miel synthétique. Et après c'est finito, il n'y a plus de tentation au supermarché. De profiter bien de cette lecture érotique, Profitez bien de... Je sais pas comment il peut finir ça. Parce que pour moi, il a fini d'abord, je sais pas. Parce que déjà, on ne savait pas bah, qu'il allait ouais. sortir trois tomes, alors je sais pas si... Je sais pas. Je sais pas. Mais ça va pas, c'est compliqué l'hôpital. Ah merde. Ah merde. Ah oui t'es encore à l'hôpital là, j'aime les cookies. San tu as encore ton rôle de prof là. Bah. Ça veut dire quoi On parle de quoi là Je sais pas. Je sais pas de quoi on parle. Mais Je viens de regarder cas. Interstellar perso. Oh T'avais jamais vu Interstellar Excellent. <rire> <rire> Très bien Interstellar, incroyable. Genre debout avec les bras dans le dos. Ah oui <rire> <rire> Non mais ça c'est Saran, hein. il est toujours comme ça. Hein. Dans les supermarchés, il... il se déplace comme ça. Dans les tentations <laughs> Dans les tentations. <rire> <rire> hey, mon vélo Si, déjà vu, mais incroyable. Ah, tu voulais ah bah, le revoir, ouais, il est trop bien c'était Vous avez la carte de futilité. Papa-Badison utilise la meilleure carte du TC Grey. C'est parti pour... Rien. Ah Rien. Oh, mais non incroyable ça fait 32 putain de jours et ils veulent pas me laisser sortir ils me disent que c'est trop tôt il ah. euh, faut leur faire confiance il ouais, faut leur faire confiance j'ai mes coquilles 32 jours qu'est-ce que c'est dans la vie de quelqu'un c'est quoi bah, je comprends un que tu trouves ça long oui je comprends c'est étrange là les acteurs de quoi c'est étrange là ces acteurs qui ont leur marque ou sont sponsors par une marque d'alcool genre Aaron Paul il, il en a eu ouais. Ryan Reynolds et d'autres bah, tu sais euh, Drag Race ça a été longtemps euh, sponsor euh, par Absolute attends je crois que j'ai réussi j'ai réussi, mais je suis pas sûr. <laughs> yeah, oui, j'entends rien. Je Et du coup, y a ma tête. Putain. Fais chier, chaise. Oui, c'est vrai, as bien. raison. L'état d'Aragresse, c'était longtemps une marque de quoi as Non, c'était sponsor par Absolute Vodka. Absolute Vodka, oui. En plus, la pire Très vodka bizarre. au monde. Non, mais parce qu'il y a des pays où l'alcool, c'est pas genre comme. Euh, je sais pas, j'allais dire ça, mais en France, l'alcool, il y en a plein qui ne considèrent pas ça comme une drogue. donc. Euh... Ah non, du tout. Bah, c'est pas, ouais, pas interdit. C <laughs> Et puis il y a des pays d'ailleurs où il y a des sponsors marques de cannabis, hein. comme au Canada et tout. Donc. Bah, euh... oui. Sors de toi-même comme moi et regrette-le après. Bah c'est pas un bon conseil ça, papa Dyson. Oui. Écoute-moi bien, ça <laughs> rate de merde Bon, je te banane. Mais comment ça, je mange ma banane Attends, attends, J'ai pas de banane mais j'ai des, euh, des clémentines. C'est pas mal. Alita, j'ai une question. Oui, Justine, je t'écoute. Regardez par rapport à la tête d'Alita. Même taille. Même couleur. <laughs> Donald Trump. C'est quoi la question de Justine, oh, Justine. Oh C'est de la merde la question de Justine. J'attends, j'attends, j'attends. C'est de la ah, merde la question de Justine. T'as des astuces pour être aussi jolie, s'il te plaît hein J'aimerais bien savoir comment tu fais, merci. Oh là là, mais ah quelle astuce <laughs> C'est cartouche sur cartouche. J'aime mmh, bien la cartouche. <laughs> eh <à> Justine, la chasseuse. <laughs> sur régresse. Régresse Ah, tu creuses sur quelqu'un qui régresse. Non, sur Drag Race, en fait. Ah oui. Le clairement mange un Zen burger. En fait, Justine, non, non, mon non. secret, tu sais ce que c'est hein? C'est le maquillage. Pardon. Oh putain, au secours. <rire> euh... <rire> Justine qui dit ça en plus, c'est jolie Justine. Hein. C'est oui. pas comme si c'était, je sais pas moi, quelqu'un de moche qui disait ça, genre Papa Dyson. Ouais. Ah, pardon on avait dit qu'on disait... Chaise plutôt. hein Chaise, oui, chaise. Oh, ma chaise, elle est moche, par contre. Oh oui, avec son... Tu sais, son... Ah, aspect moche, bois, là. Ah a là là, et puis en plus à la fois, elle est peinte. Et pas, t'es pas bien, t'es dur. Ah non, chaise, elle est moche. Le vernis qui, qui se barre et tout oh Ah là elle est horrible. moche, chaise, on dirait une saucisse. <laughs> euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Je voulais vous dire aussi que nous allions... Euh, nous avons déjà fait le programme de la semaine prochaine, les amis. Donc euh, je peux vous le montrer maintenant, si vous voulez, en même temps qu'on s'encule je monte le livre alors la semaine prochaine comme vous le voyez euh, il n'y a pas de stream mardi c'est tout euh, je fais une coupure de, une petite je fais un stream en moins dans la semaine euh, pour euh, passer du temps un peu avec Alita qui est en vacances yes. et la semaine d'après ce sera peut-être aussi pareil mais peut-être un autre jour on verra ouais. euh, en tout cas lundi euh, Minecraft donc demain Minecraft je vous le dis dès maintenant hein, ça, ça va être cool Comment ça mon ref Calme-toi, calme-toi Leclerc, dès que je loupe un jour ils pètent leur crâne. Ouais, mais bon, lundi Minecraft, ok, ça c'est cool. Hum <laughs> c'est pas toi que je pose la question. Pardon. Non, bon, ouais, <laughs> c'est cool. Mardi off, mercredi off comme d'habitude, mais mardi off, voilà. Euh, mais on sera sur Discord pour discuter évidemment. Euh, jeudi, 7 Day to Die, le classico d'El Madrido, euh, l'après lune de sang où on rage parce qu'on construit des trucs qui ne tiennent pas. Tout à fait. Euh, vendredi soir, 20h aussi, Minecraft. On continue Minecraft parce que le serveur est trop bien. Samedi, Baldur's Gate avec Bratou à 16h. Sachez que je finirai juste sûrement de une heure... Teille. Sachez Pardon. de taille Sachez que je finirai peut-être juste une heure plus tôt. Voilà, Ce sera peut-être du 16-19 et du 16-20. Parce que une soirée avec ma mère, euh, samedi soir, on va faire une part tous. Bref, bon, c'est nos, nos petites histoires. C'est parce que tu m'avais dit. Tu m'avais pas dit part tu m'avais dit genre plan à 4 Ah oui. C'est pareil quand même. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Euh, voilà, bref, bon. un placard avec Madaron. Donc <laughs> du coup, euh, je finirai peut-être une heure ou une demi-heure en avance, c'est pas, pas grand-chose. Donc tout va bien. Et puis dimanche, 16h, Minecraft. Voilà. En plus dimanche, euh, vous avez vu, je commence tôt, je commence comme le samedi. Donc euh, vous plaignez pas qu'il n'y ait pas de stream. Mardi, ça va. Hein. Voilà. On fait beaucoup de Minecraft en plus. Lundi, Minecraft, vendredi. Minecraft, dimanche. Minecraft, Minecraft, Minecraft. Donc voilà, je coupe l'image. Vous en foutez, je vois bien, mais je vous le dis. Je leur dira en fin de stream. Comme ils s'en foutent, t'as vu De fou, tout le monde s'en fout. Il n'y a que le qui est pas content parce que euh, et Tout le monde s'en fout. Bon, bah, si vous, Là, vous en foutez du écouté. programme, c'est pas grave. Bon, c'est quoi, je vous encule Est-ce que tu veux que pour ce début de stream, elle se dit peut-être ça n'a pas de bah, le chat. Non, Non, ils s'en foutent de nous, c'est tout. Vous, vous en foutez euh, de nous Non, tout le monde s'en fout. Ouais. Ils s'en foutent. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire, moi Est-ce que tu veux qu'en début de stream, je. Sais que Mais non, on s'en fout pas. Mais si tu t'en fous avec ta grosse tête, tu sais pourquoi es moche, Justine ça va pas! Tu sais ce que c'est ton problème, Mike? Regarde, t'es dans le chat. Ah merde, attends, faut que j'aille plus près de toi. Mais toi. Ah bah, ouais. moi je suis déjà au bord. Hein. Oui, mais tu pourrais être un peu plus au bord quand même. Mais t'as pas envie d'être près de moi, je sais. Non, c'est pas ça. Écoute-moi mais... bien, ça arrête de merde! Qu'est-ce que t'as? Mange ta mange couille! <laughs> ah, mange ta couille, ça dit. Non, tu veux que je fasse des cafés peut-être ou que je veux faire des cafés quand même, non? Euh. En oh, vrai, moi j'ai pas envie de café. Oui, parce que tu les aimes pas. <laughs> C'est fou ça, ma machine hier elle s'est cassée, du coup on a réparé sa marche, mais du coup le café faut attendre un tout petit peu avant qu'il ait un meilleur goût. Je vais me faire un café tout seul, j'ai compris, je vais me faire mmh. enculer. Il y aura du bruit de cafetière, vous inquiétez pas, c'est comme mon cul. Moi ça, je vous lis la quatrième de couverture en attendant. « Annabella est aux anges, elle va enfin se marier avec Leclerc, dans le <laughs> l'homme qu'elle a toujours aimé. Mais dans le monde du business, rien n'est jamais simple, et on ne devient pas PDG d'un empire de la grande distribution sans se faire quelques ennemis. Quand Lord Gontran disparaît subitement après une nuit de sexe intense, oh yeah. la lune de miel d'Annabella va vite tourner. Oh yeah. C'est toi qui as fait ce bruit, Non, non mais elle n'est pas cassée, Justine. C'est juste que, en gros, pour t'expliquer, dans les broyeurs à café, les machines qui broient, les broyeurs à grains, et des fois, tu as soit un caillou, soit un bout de bois. De quoi Soin. De... Soin. <laughs> Soin un caillou, soit un bout de bois dans le café que tu achètes. Tu vois, ça arrive. C'est machin. Et... Si tu veux, dans le broyeur, là, le broyeur, il J'ai voulu faire un café pendant le stream et au lieu que le broyeur il fasse... Il fasse. un gros bruit de broyage, il a fait. Comme s'il était coincé. Et je fais, oh, putain, fais chier et tout. Et en fait, dans cette machine-là, vu que c'est un gros bloc et tout, on peut pas le démonter. Donc j'ai dû passer par au-dessus, aspirer les grains de café. Euh, oui, j'ai tout cassé. À l'aspirateur à l'intérieur du, du, du truc et aspirer la fin à la paille, truc par truc, parce que je n'arrivais pas à accéder au broyeur. J'ai démonté le broyeur. J'ai extrait tout, je l'ai secoué, je l'ai revissé, c'est bon, ça remarche, c'est tout Justine. Mais du coup, le, 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 le grain, il met du temps à se remettre, euh, parce que j'ai dû dire aussi, mou le plus gros possible, après, pour que ça dégage toutes les merdes qu'il y aurait dedans. Et quand tu fais ça, après, faut, tu peux remonter 1 sur 10 de broyage, et nous on est à 5, et tu peux remonter que de 1 en 1. Tu de 1 à 2, tu fais 2 trois cafés, de 2 à 3, mmh. tu en fais 2-3 cafés pour que le, le broyeur se rééquilibre. Donc là, en attendant, le café, il est un peu fort. Ouais. Ou le il est, est un confortant. peu... C'est pas le même goût en fonction de la taille de ton grain. Voilà, c'est tout Qu'est-ce que tu veux C'est compliqué le, le café, là, Justine. Et c'était pas contente, t'as qu'à aller te faire foutre aussi. Pour tous les hommes, tout simplement. Alexandra, la dédicace à tous les hommes. Avant, ah, c'était tous les hommes que j'ai aimés, après ouais. c'était quoi Après, c'était, je sais plus. Tous mes amants, non Non Euh...

<laughs> you use Verizon Wi-Fi, your SSIBs give me free Like many uses, WP2 security in this past With this one two three, three, like, three four five six. <laughs> Europe <-based> is <six laughs> 161.67.13.185 one You were to open up a memory and clear Avenue, Cambridge for 3C It was, it was really good. était fait... donc partie chercher sa chaise. Non, en, en fait, t... elle a une... en fait pour t'expliquer l'histoire des vidéos Hooper. Tu veux l'histoire des vidéos Hooper et tout Ou pas Et tout euh, Ouais, je... Tu t'en fous bah, Je crois que ça suit, non Un truc comme ça En gros, non, mais a... c'est des parodies... Te... tu me veux montrer ta bite euh, à la caméra Pardon. Je m'appelle pas euh, Jean-Paul <laughs> ou je sais pas comment il s'appelle, l'autre con, là. Il <laughs> on montré sa bite, qui s'est fait ban de, de kick. Faut le faire. Hein. Ouais, faut le faire. Hein. Bon, bref, Exactement. gros con. Hein. Euh, oui, euh... Qu'est-ce que je disais Oui, c'est des parodies de la pub. Oui. Et il y en a plein démarrantes, c'est de plus en plus foufou. Et en fait, Chaise, elle a fait un petit fichier texte avec les 10 vidéos, quoi. ou les 14, tu vois. Mm. Et elle nous les met une euh, à la suite les unes des autres. Et celle-ci, c'est sa préférée qu'elle avait dit. D'accord. Elle l'a lancée au stream dernier, sauf qu'il y a Zang qui arrivait arrivé, qui a lancé un simple en même temps. Ça a fait un truc ah cacophonique, non. elle était dégoûtée. Elle a ah, dit, oui. ah, dé... euh, plus que 14, ok, Chaise. Ah, oui. Elle était dégoûtée, du coup, elle a dit, je la remets. Parce que normalement, elle nous met Ça dans l'ordre. Et là, on l'avait déjà eu, celle-là, mais on... ah, oui. Et elle, coup, était... coup, non, elle est okay, drôle, quoi. elle est bien, celle-là. Celle d'avant, c'était booper booper ça faisait genre steak, salade, ketchup, 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 ketchup. ketchup. Et c'était que des trucs en boucle, ça remettait du ketchup par-dessus. <laughs> c'était très drôle, voilà. Je regardais pour tous les hommes que j'aimais, 5 de plus depuis le tome 1. C'était ça. Celui d'avant, ça Celui du... Non, deuxième, ça. deuxième, ouais. Et, Et de troisième, il est là. Et euh, pour mmh. mon amant Steph, mort d'un Covid long. Ah oui, c'est vrai ah, J'ai oublié ce truc-là, mort d'un Covid long. Incroyable. <laughs> voilà. Et débarre le Covid un peu la team. Vous vous rappelez un peu le confinement ou quoi Non, j'étais partie car mon petit frère est rentré. On parle de quoi Parce que j'ai dit qu'elle était partie. Alerte coronavirus. <laughs> On s'en fout de ton Et frère. C'est l'acteur là sure. Le jeu d'acteur en français. Une... D'ailleurs, j'ai adoré ah, je... le court de chaise. Tu l'as pas regardé encore Non. Ouais. <laughs> <laughs> mais je vais le regarder mais je, je fais autre chose, je suis toujours occupé, c'est une dinguerie. Vous savez ce que j'ai fait ce matin là bas ce matin, matin j'ai dormi. Vous savez ce que j'ai fait cet après-midi en début daprès pendant qu'Aïta faisait je sais pas quoi, euh, sa vie de de Je me lavais les cheveux. De là. Vous savez bien que quand je me Écoute lave les cheveux, Écoute-moi bien, il de me... merde. Moi j'étais croquette. croquette. Oh, bah, elle... attends, coup, elle est partie, elle est partie à son truc de croquette. Bah, bah boire ouais, de l'eau. Bon, mais c'est impressionnant quand même. Tu imagines le truc Dès met ça sur une petite enceinte, ça marche. Tu euh... sais qu'on peut enregistrer un truc sonore dans le Mais truc oui. de croquette automatique. Pour lui mettre ça on lui mettre ça. Parce qu'on n'a jamais rien mis. Bah si, bah, si on a mis un truc qui fait. Parce qu'en en fait, on a dit ah, non, on ne veut pas enregistrer. Oh. Ça <laughs> fait ce son-là quand les croquettes tombent. On pourrait mettre. Écoute-moi bien, Yas de Verne ah, Oui, ouais. j'avoue. Faut qu'on ah, fasse ouais. ça. Oui. Donc oui, vous savez ce que j'ai fait J'ai fait... continué le montage de la vidéo YouTube. Oui. vidéo de l'unboxing pendant que je me lavais mine. les cheveux ça que je disais vous savez là, bien que moi voir, je, je, quand je me lave les cheveux ça met euh, faut que j'organise, ça ouais. met deux heures quoi les facile. fameuses euh, débilos, là bon voilà. bref et voilà ton le secret Justine faut que tu te laves les cheveux pendant deux heures et euh, <laughs> écoute bien il y a ce de chance. merde bois de l'eau ah oui. <laughs> <laughs> et euh, et donc j'ai avancé mais c'est très long j'espère la sortir cette semaine j'aimerais bien bah, La semaine euh, voilà vous avez compris la semaine qui arrive là mais il faut quand même que j'ai fait la moitié du montage bien. C'est-à-dire définitif. Oui, bah c'est bien déjà. Ouais. En sachant j'avais déjà fait une première lecture entière, en mmh. réglage de son, choisir le son de qui c'était. Deuxième truc avec tous les zooms et les dézooms. Mmh. Et là, je fais la musique de fond qui se coupe à des moments et les images d'intégration. <laughs> fait maintenant que je clip. Mais non, j'ai pas le bon micro. Ouais, ça va pas être bon. Non, tu me diras au prochain stream, sais, mais il faut que j'ai mon bon micro, euh, comme ça que je fasse. Euh... Avec ma ma réverbe, parce que là je vais faire écoute de l'eau Ça va, vous sinon, non, vous inquiétez pas, je vais pas vous faire mal aux oreilles. Vous pouvez remettre le son normal. Oh N'était pas à me mettre sur la télé. Ah hein. oh mince, et vos parents pas loin. <laughs> Ta gueule bon. Euh, je commence le livre, non oh, De toute façon, tu lis, hein Ouais. Moi, je suis là pour refaire. <laughs> Chapitre 1, un sacré réveil. Il y a des mecs avec des capuches. Attends, on se rappelle de où ça nous a amené, la fin bah, elle est avec Contran. Contran. Contran Contran. Non, mais Gontran Leclerc. Euh... Parce qu'elle est à sa fac de gender study. J'aime ai les, les, les cookies, je l'aime les cookies, elle aime se foutre des cookies dans le cul <laughs> <laughs> en plus, ça se trouve, je t'ai mégenré. Je suis désolée, je voulais cookies. Je dis elle. Excuse-moi, j'aurais bon, dû pas... dire iel. C'est pas le plus grave, je pense, de ta <rire> <rire> Je pense que c'est pas le plus grave. Oh, désolée, je t'ai mégenré. Par contre, j'ai dit que tu te foutais les cookies dans le cul. Ça, c'est pas grave. <laughs> Donc oui, elle était à son sa fac de gender study. Oui. Et Qu'est-ce qui s'est passé avec Mademoiselle Louis? Mademoiselle Louis, machin. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Bah ils ont La fait fin. le bal et du coup Leclerc Attends. lui a dit. Que... Alors ah, c'est un clip, pardon. Moi, je Il a dit qu'il qu l'aimait et du coup ils sont, elle est avec Leclerc. Ah oui, ils ont tué, je sais plus qui au bal. Oui. Tué le, bah, bah, euh, le fils de machin, Putain. le fils de, <laughs> le, fils de... <laughs> le fils de des Carrefour. <laughs> ah oui, attention, définitif. Oui, bah, c'est bien déjà. Ouais, Benjamin avait déjà fait une première lecture entière, en réglage de son, choisir le son de qui c'était. Deuxième truc avec tous les zooms et les dézooms oui. et là je fais la musique de fond qui se coupe à des moments et les images d'intégration. Fais oui. maintenant où je clip Mais non j'ai pas le bon micro. Ouais ça va pas être joli. Du... Non tu me diras au prochain stream Chaise mais faut que j'ai mon bon micro euh, comme ça que je fasse oui. avec ma, ma réverb parce que là je vais faire. <laughs> Écoutez. Et oui c'était super long Chaise t'as pris tout le début c'est un mais du coup. <laughs> T'as la tête quand, es, quand tu fais ouf, t'es content, après tu fais... Je l'aime bien. Je bien faire des conneries. Ouais. Euh, et du coup, donc, elle a... Lors de contre-leclerc, elle sert Leclerc, Leclerc on lui a dit qu'elle et... l'aimait, il l'aimait. Oui, il a quitté sa femme. Il a quitté sa femme, c'est vrai, et devant... Pour être avec elle, quoi. Mon okay. clip. OK, bah c'est bon, vas-y. Mm. Anna Bella somnolait paisiblement dans son immense lit king-size. Il a un problème avec les lits, euh... Elle, pardon, c'est Alexandra Chevalier. Elle a un problème avec les lits, euh, elle parle souvent des lits. Bref. C'est bizarre pour un truc de cul, hein, ouais. Ouais, vrai, ça. Bonjour, Salut. toi. Salut. Écoute-moi bien, ce yes de merde. On boit de l'eau. Vas-y, renifle. T'en fous de <laughs> toi. La vie était luxueuse depuis qu'elle vivait chez Lord gontran Leclerc, son futur mari. Ce dernier n'était pas à la maison, il était occupé à faire du business, Garde, comme à son habitude. Trop tard. Tu oui. J'aime bien. Oh, elle mmh. <coughs> Annabella avait quitté la fac de genre pour se concentrer à l'organisation du mariage et à son rôle de future épouse bien soumise. Elle adorait faire des grâces matinées, mais ce matin-là, elle fut réveillée par un bruit sourd. Quelque chose d'anormal se passait. Elle se redressa dans le lit, la tête encore un peu dans le cul. La porte de sa chambre vola en éclats. Qui dit la tête dans le cul dans un lit français <laughs> <Pour> <laughs> La tête dans le cul. <laughs> Putain. Trois personnes avec des cagoules firent irruption dans la pièce. Annabella poussa un hurlement. Ah Comme ça. Pas mal. de corbeau. <laughs> Une des trois personnes la saisit par les cheveux et la traîna dans toute la maison jusqu'à la sortie. Ah. Annabella se débattait, mais les deux autres lui mettaient des coups de pied dans les côtes pour la maîtriser. Mais what the fuck Mais qu'est-ce qui se passe dès le début du livre là Arrivé dehors, le plus grand des trois souleva Annabella et la jeta à l'arrière d'une camionnette après lui avoir mis un sac sur la tête et un scotch sur la bouche. What the fuck Alors, Il a plutôt mis d'abord le scotch sur la bouche et après le sac sur la tête parce que sinon ça marche pas. <laughs> C'est vrai. Elle entendit les portes du véhicule claquer et le moteur démarrer. Elle était terrorisée. Elle avait du mal à estimer depuis combien de temps la camionnette avait roulé quand cette dernière finit par enfin s'arrêter. Oh. L'une des trois personnes cagoulées toujours sans dire un mot ouvrit la porte, la porte du coffre et sortit Annabella en la tirant par les pieds. Elle traîna sur au moins 500 mètres sur du goudron brûlant. Elle la traîna. Ouais, la personne la traîna. Ah oui, ok, j'ai compris. Annabella souffrait terriblement. On la balança comme si c'était un cadavre dans un nouveau véhicule. Elle comprit en entendant le moteur qu'il s'agissait d'un avion. <t 'en> L'avion décolla rapidement et prit de l'altitude. Mmh, 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 tanta. tanta Annabella, oui. Elle essaie de parler, on fait quoi dit une voix. Aïe. Moi, je suis sûre que c'est... <laughs> je te fous le coup. Ouais, toi, je, te fous le coup. Plus, je, je me cache de foule avec le <laughs> <t 'en> Euh, moi, je suis sûre que c'est Leclerc qui lui fait une surprise. Ah, tu penses que c'est genre un... Ok. Ouais. okay. On obéit aux consignes. On a été payé pour une mission. On s'y tient, lui répondit quelqu'un d'autre. Annabella ne reconnaissait aucune des deux voix. J'ai des scrupules. Pense Aïe. au fric. Fais-lui boire ce qui est prévu. Aïe Arrête avec tes, tes griffes. L'un des deux hommes... Vingt et deux hommes pardon, enleva le scotch de la bouche pulpeuse d'Anabella. Mmh. Elle essaya d'en profiter pour parler, mais l'homme lui mit instantanément ce qu'elle devina être un entonnoir dans lequel il versa une boisson immonde qui lui brûla l'œsophage. Ah. On aurait dit de l'alcool à 90 degrés. Puis il remit le scotch. On arrive sur la zone, il est temps de balancer cette énorme poufias gothique. <laughs> Waouh! Annabella sentit qu'un des deux hommes s'était glissé derrière elle. Ils étaient comme en cuillère. En d'autres circonstances, ça aurait, été, ça aurait presque <laughs> pu l'exciter, d'autant plus que l'homme l'attachait avec des sangles. <laughs> Pianabella sentit l'air souffler sur son visage. Oh. La porte de l'avion était ouverte. On allait la balancer dans le vide. Qu'avait-elle fait pour mériter une mort comme ça bah, Je sais pas. Ses jambes pendaient dans le vide, elle se sentit tomber. Bizarrement, l'homme était toujours collé à elle. Après deux minutes de chute libre ah, pendant lesquelles, quitte à mourir, elle en profita pour se frotter à la personne derrière, <laughs> elle, derrière, elle, pardon, dont elle sentait le pénis dur, elle remarqua qu'elle ralentissait. Ouais, c'est un parachute. Euh, un parachute. Ouais. Oui, évidemment. Puis, sans prévenir, un atterrissage violent. Comme elle ne voyait rien, elle n'avait pas pu anticiper, sentit ses jambes se briser. <laughs> <laughs> D'accord. Oui, du coup, elle gisait à terre lamentablement. Quelqu'un lui enleva enfin son scotch et son sac sur la tête. Eh, le scotch est vraiment par-dessus le sac. Ouais, je sais. Elle reconnut les trois personnes qui l'entouraient. Swaggy Beef, Stephen et l'inspecteur Stephen. Oh Quoi Alors, Annabella, t'en as pensé quoi de cette EV, EVJF pardon intermonde de vie de jeune fille. Dit Stéphane. <laughs> ah C'était donc ça Elle a la jambes pétées pour un intermonde du jeune fille. Putain, J'ai une peur bleue, mais bordel, les sensations, c'était Masterclass et tu veux faire des voix en fait, Oui, je viens. Pas non. Je, je te sais. présente aussi Billy, le moniteur de parachute qui t'a accompagné dans ta chute. Enchanté, la Par contre, j'ai joui pendant la chute. J'en ai plein de falzards. Il va falloir rajouter une livre. Il va falloir rajouter du prix, le, le prix du pressing. Je n'avais pas prévu ça dans la prestation. <laughs> <laughs> C'est clair, Justine. C'est l'inspecteur Stéphane. Euh, C'est l'inspecteur Stéphane. « Oui, pas de problème. Envoyez-nous la facture, » dit l'inspecteur Stéphane. « Je suis un flic, un poulet. Vous pouvez me faire une totale confiance. »« Cote-cote, je plaisante. »« Mais ok, on fait ça, » ajouta Billy, le moniteur de parachute, en partant. Annabella vomit au sol un bon litre de bile. « Tranquille. »« Ah, ça, je crois reconnaître le shot d'eau de vie qu'on leur, qu ah. leur avait demandé de te faire boire, » dit Stéphane. « Par contre, je me suis cassé les jambes en atterrissant, » dit Annabella. « Ah, vas-y, chasse-trop bien. » Serran, tu as changé ta voix ou c'est mon casque qui bug Euh. vomit. Bill Murray. J'ai pas changé ma voix, non? non Si, mais si, pour faire les voix. Ah, pardon, excuse-moi, <laughs> je suis premier degré. <laughs> <laughs> je vais faire une blague Je vais faire une voix de zinzin Bon, attends. Euh, par contre, je me suis cassé la jambe en intéressant. Ah, T'inquiète, on avait prévu ce petit détail. Un infirmier en blouse s'approcha d'Annabella et commença à examiner ses jambes. Puis soudainement, il enleva sa blouse à scratch et se retrouva en string. Il se mit à, à danser et à frotter sa queue contre le visage d'Annabella à travers son slip. Cette dernière, surprise, joue le jeu et suça le stripteaser jusqu'à l'orgasme. Il en foutit partout. Bah oui, du coup, il n'a plus les jambes cassées. Il en foutit. Il en foutit. C'est vrai ça Il en foutit. Il en foutit. Il en foutit. <laughs> Une fois la prestation terminée, il se tourna vers les trois organisateurs. Voilà, j'ai fait mon job. Par contre, j'ai éjac' et j'en ai tartiné partout euh, sur mon froc. Va il falloir payer le pressing. <laughs> oui, on s'en occupera de ça, pas de problème. Oui, nous la facture, dit Stéphane. Je suis un poulet, vous pouvez me faire confiance. Cote-cote oh, humour, ça va Oh, il y a intérêt euh, il y a intérêt On a le script en s'éloignant. Une ambulance arriva. Une vraie infirmière libérale posa des attelles sur les jambes d'Annabella. Ah. Annabella ne put s'empêcher <laughs> <fout> <laughs> de lui poser une question qui la turlupinait. Merci beaucoup pour vos soins. Vous avez le coup de main. À tout hasard, vous ne seriez pas bi. Non. Ah, dommage. <laughs> Par contre, non. je suis 200% lesbos. Ah. Vous pensez que ma blessure nous permettrait quand même de pratiquer un petit ciseau rapide Sans qu'il y ait Annabella qui avait toujours fantasmé <laughs> sur les infirmières. Tentons-le. Au pire, je vous filerai de l'arnica. Ah, quand ton genou. Oui. Les deux femmes guinèrent devant Guinèrent. <laughs> oh, Ce mot, il est magnifique, ce verbe. Devant Swaggy. Swaggy biff, Stéphane et Stéphane, qui observaient sagement le spectacle. L'infirmière lâcha un énorme jet, de la taille du jet d'eau de Genève. Ce qui Gouiner. marqua la fin de cette belle aventure. Je vais tellement utiliser ce verbe maintenant, je veux dire, vous gwinérez les filles. Ah, c'est trop bien. <laughs> C'était très sympa, mais je dois aller soigner d'autres gens maintenant. Par contre, je n'avais pas prévu de squatter. J'en ai mis plein sur mon futal. Il va falloir me payer le pressing à vos frais, parce que là, ça, l'assurance maladie ne rembourse pas ça. <laughs> enfin, je ne crois pas. Vous pouvez aller vérifier sur votre compte Amélie ou sur le site de votre mutuelle si vous avez un doute. J'y vais. À plus. Très bien. Merci beaucoup, répondit poliment l'inspecteur Stéphane avant de se tourner vers Annabella. T'as kiffé ton EVJF Ah ça, oui, inspecteur. J'espère juste que je serai sur pied pour le mariage. Mais oui, mais oui. Oh, allez Oh, allez, je vous laisse moi, j'ai des enquêtes à faire. Bonne fin de journée à tous. En tout cas, merci de m'avoir organisé cette journée de rêve. Ah non, non c'est moi. Bon. Ben, c'est toi, oui, je comprenais pas. <laughs> en tout cas, merci. En tout cas. <laughs> en tout cas merci de m'avoir organisé cette journée de rêve. so Gibi fit une petite moue avant de répondre. Hmm. Tu nous as tellement tannés qu'on s'est senti obligé. Franchement, je te connais à peine, Annabella. On était collègues quand on bossait chez Leclerc il y a trois ans maintenant. Et on en a, on a, oula, et on ne s'est jamais reparlé depuis. Moi, à la base, je voulais juste te baiser. Je suis en couple maintenant. J'ai accepté d'organiser ton 9 uniquement car tu me faisais de la peine. <laughs> bon L'histoire de ma vie. Ouais. Pareil, ajouta Stéphane. Enfin moi, je t'aime bien. Enfin moi, je t'aime bien, bien de la fac. Okay. Je t'aime bien de la fac. Ouais. Moi, je t'aime bien de la fac, mais c'est vrai que t'as pas énormément de vrais potes. Il faut te rendre à l'évidence. Enfin, ouais. moi je suis sympa avec toi car je cultive l'espoir de te secouer un de ces quatre. Anne avait réalisé que tout ce qu'il disait était vrai. Malgré tout, elle s'en fichait. Elle allait se marier à l'homme de sa vie. C'est tout ce dont elle avait besoin. Peu importe vos motivations, les garçons. J'ai passé un super moment. Merci pour tout. Elle fit l'effort de se lever malgré ses jambes fracturées et elle tenta d'embrasser Swaggy Biff sur la bouche avec la langue pour le remercier. <laughs> ce dernier la repoussa. À... qu'est-ce que c'est que cette meuf qu'est-ce que c'est Je suis casé, Annabella, ça va pas Espèce de détraqué Pardon, Swaggy je ne comprends pas où est le problème. Stéphane intervint pour calmer l'ambiance. C'est juste que dans la plupart des couples, embrasser quelqu'un d'autre, c'est considéré comme tromper. Ah, mais je savais pas. Excuse-moi, Solibif. Je suis assez ouverte dans mes relations, donc ça me choquait pas, mais je respecte. Bon, c'est mieux qu'on y aille. gif doit retrouver sa compagne, et moi, je vais retourner m'occuper du BDE de mes vrais potes. Avec BDE avec mes vrais potes Oui, bon, Pardon. <laughs> avec mes vrais potes. <laughs> je comprends. les gars. Mais, mais en fait, ça voulait rien dire. Oh. Je comprends. À bientôt, les garçons, j'espère Biff, pardon, parti sans se retourner. Après, je peux encore rester un peu avec toi si tu acceptes que je t'encule à sec, Anabella. Non, merci, Stéphane, c'est gentil. Il partit à son tour. Anabella rampa jusqu'à la route comme une limace, puis elle héla un taxi et rentra chez l'ordre de contrôle au clair en se remémorant cette journée féerique. Ah, oh, je veux trop dire ça à des gens. Je veux trop dire ça à des gens. Je, te jure. je veux bien y aller, mais je veux bien rester un petit peu, mais c'est bien que je t'encule à sec. Hein. J'adore. Chapitre 2. Ah, pardon. Chapitre 2. Le grand jour. Six mois après son VJF, Annabella se préparait pour son mariage. Elle est en, roulant, euh, en tant que gothique, elle avait opté pour une magnifique robe noire qui laissait entrevoir son string à l'arrière. Elle portait aussi un décolleté plongeant. Lord Gontran ne l'avait pas encore vue. Après s'être maquillée et habillée, Annabella descendit. Elle allait rentrer dans l'église au bras de son père. Elle le chercha du regard mais euh, ne le trouva pas. Elle passa la tête discrètement dans l'église et vit son père en train de se faire sucer par un des témoins dans, les, <laughs> dans le confessionnal. <laughs> Annabella pensa Ah là là, les chiens ne font pas des chats Puis elle lui fit signe de loin Papa, c'est le moment Oh merde pardon, pardon. Oh merde, pardon ma chérie, j'arrive Il rentra son zob dans son slip, et remonta sa braguette et vint attraper le bras d'Annabella. Ensemble, ils remontèrent à l'allée centrale de l'église. Tout le monde les regardait. Son père ne put s'empêcher de lui chuchoter à l'oreille Tu es magnifique, ma chérie Merci papa, je t'aime le témoin suçait tellement bien que j'ai pas vu l'heure. Encore désolé, hein. Pas de soucis, papounet. Eh non, mais je te jure, il m'a fait câbler. Il enfonçait son skate dans sa Non, non. <laughs> Il enfonçait mon skate dans sa gorge. Bien jusqu'au couille et sans les dents. Si seulement ta mère m'avait sucé comme ça. Ah là là. Ah, elle me manque. Pourquoi Si seulement feu ta mère. Ah bah oui. Si seulement feu ta mère m'avait sucé comme ça. Tu l'as pas dit Non. Ça veut dire ta mère morte. Ça veut dire que sa mère est morte. Feu quelqu'un, ça veut dire que personne est morte. Ah, moi, si, paps. Mais non, tu jottes pas, toi. Ah, si, peut-être, ouais, si, vas-y. Son père la laissa devant l'hôtel où l'attendaient Lord Gontran et le prêtre. Lord Gontran était ému de la voir si belle et si sexy pour ce jour qui restera gravé à tout jamais dans leur mémoire. Le prêtre prit la parole. Qu'est-ce que c'est que cette robe de pute Vous croyez que le seigneur approuve ce genre de tenue sataniste Qui Tentatrice succube, aspirateur habite. <laughs> Je bien prêtre dire aspirateur habite. J'adore. Ah les, les gens dans la salle étaient choqués. Oh oh Lord Gontran intervint. Mon père, rappelez-vous du don que j'ai promis de faire à votre diocèse si vous faisiez encore une, si vous me faisiez en, aucune remarque sur la robe de ma future femme. Oh oui, pardon, chers membres de la famille, amis et bien aimés nous sommes réunis en ce jour. Avec des cœurs remplis de joie et d'amour pour célébrer l'union sacrée de Lord Gontran Saucisson et Annabella dans les liens sacrés du mariage. Alors, si quelqu'un dans cette salle s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Plusieurs mains se levèrent dans l'assemblée. Le prêtre descendit de l'estrade pour leur passer le mic. Le mic <laughs> Bonjour, monsieur, on vous écoute. Bonjour je m'appelle Emilio Salsa, je suis le cousin germain de Claudio Salsa et de Fabio Salsa. Je n'étais pas invité à ce mariage, mais je m'y oppose, car je refuse que les gens qui ont détruit ma famille vivent heureux ensemble. Mais merci, merci, c'est noté, dit le prêtre qui se dirigea vers une autre main levée. On vous écoute, madame. Bonjour, Geneviève Leclerc, je suis la tante de Lord Gontran Leclerc, et je trouve qu'ils ne vont pas du tout ensemble. Mmh. Cette pauvresse n'a rien à faire dans notre famille de riches, et je ne suis pas la seule à le penser dans la famille. Quelques voix étouffées se firent entendre. Oui, c'est vrai, ouais, ouais bah, c'est vrai, ouais, ouais. Ah, Elle est très bonne, mais pas assez riche. Ouais, grosse pute. Je la baiserai bien, quand même. Mais, euh, si elle n'a pas d'argent, euh... Vous avez remarqué, remarqué que, que son string dépasse de sa robe À l'essence du détail, choque cette sale pauvre Cette <laughs> sale pauvre... Ok. Le prêtre, un peu là, au calme. Allez, ça va, ça va. Hein on n'est pas au souk, ici, non plus. <laughs> c'est la maison de Dieu, donc on se calme. Vous, monsieur, vous avez le même nom aussi. Oui, bonjour. Je m'appelle Lord Christophe Walamart, <laughs> PDG des supermarchés Walamart. Je m'oppose à cette union car Lord Gontran et moi-même avons passé un accord business d'une ex extrême importance et je trouve inadmissible qu'il préfère se consacrer à sa petite vie de famille avec une poufiasse gothique. Je tiens à ce qu'il sache qu'il y aura des conséquences à son non-professionnalisme. Lord Gontran prit la défense d'Annabella. Ma future femme a peut-être... <laughs> Tout le monde a l'air de Ma future femme a peut-être un style de poufiasse, mais elle est très brave. Je vous emmerde, Lord Christopher. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé d'enculer le capitalisme et penser à mon bonheur. Et mon bonheur passe par Annabella, ma sublime future femme. Tu me le paieras, Lord Gontran. Ce bien tes arrières. Il pourrait t'arriver des bricoles. Et joli string, Annabella, au passage. Hmm. Walmart qui se met là-dedans, quoi. Merci, monsieur, répondit-elle poliment. Lord Christopher Walmart partit de l'église. Ah ouais Le prêtre reprit le lead de la cérémonie. <laughs> le lead. <laughs> euh, bon. Une bonne chose de fait On va faire court. Personne n'a envie de trop de blabla. J'ai pas raison, la team <laughs> Ah, le prêtre qui dit j'ai pas raison, la team, c'est le meilleur truc. Ok. <laughs> euh, c'est où Les invités de l'assemblée la, ignorèrent le prêtre. Bref, vous pouvez échanger les consentements. Lord Gontran se lança. Annabella, veux-tu être ma femme Oui, je le veux. Et toi, Lord Gontran, veux-tu être mon mari Oui, je le veux. Je promets de t'aimer fidèlement et de te combler à tous les niveaux, de satisfaire la moindre de tes pulsions et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Je promets de t'aimer fidèlement en retour. Il faudra quand même qu'on reparle du <laughs> couple libre à l'occasion. Je m'engage à t'aimer dans le bonheur comme quand tu auras des pannes d'érection. J'adore ce que Justine a dit. M c'est C ça, a écrit le livre où mm. j'ai pas raison la <laughs> C'est clair. Euh, le prêtre reprit. Félicitations, Lord Gontran, vous pouvez embrasser la mariox. Lord Gontran embrassa Annabella et ne put s'empêcher de l'attraper par le cul et de faire glisser son doigt dans sa raie par-dessus sa robe. Un quart des gens applaudit dans l'église. Les autres huèrent. Oh. Annabella était si haute dans sa robe que Lord Gontran éjacula. Oh. Heureusement, il connaissait ses limites ouais. et avait pris soin d'enfiler une capote avant la cérémonie. Bien joué Tout le monde sortit de l'église, mais quasi personne ne se dirigea vers la salle que Lord Gontran avait privatisée pour la fête. Hein Annabella, Lord Gontran et quelques piques assiettes participaient au repas et à la soirée, et à 20h30, tout le monde était au dodo. Comme sur mes streams. Je pense à 20h, 20h30, tout le monde au dodo. Ouais C'est comme ça. Moi. Lord Gontran était déçu. Il ne pensait pas que ce mariage serait aussi clivant. Il était aussi, Il était perdu dans ses pensées en repensant à tous les gens qui s'étaient opposés à son union. Ses pensées étaient sombres, mmh. un mélange d'amertume et de rage. Pendant ce temps, Annabella s'empalait sur sa verge. <rire> <rire> Aucun rapport. Très bien. Elle ne comptait pas se laisser gâcher cette nuit de noces par quelques mmh. oiseaux de mauvais augure. Après avoir extrait quelques litres de semences des testicules de Lord Gontran Leclerc, toujours dans ses pensées, Annabella eut le sentiment <laughs> du travail accompli. Mmh. Elle voyait le sexe comme une mine de cobalt. Lord Gontran <laughs> est la mine, le cobalt est son sperme. Elle... Attends, une mine de cobalt, mais... euh, C'est l'entreprise d'exploitation minière qui doit extraire maximum de cobalt pour satisfaire ses actionnaires. <laughs> la métaphore, elle est folle. Ça n'a aucun sens. J'adore. Elle finit par s'endormir. Lord Gontran, qui n'avait même pas remarqué que ses couilles étaient raplaplates comme des abricots secs, continuait de songer. Mais attends, mais comment ça une mine de cobalt peut être raplapla comme un abricot sec? Je comprends plus <laughs> la métaphore là. Chapitre 3, Direction Lune de miel. Euh... Lorsque Là, entrant, cool. Leclerc et Annabella débarquèrent à l'aéroport à Toute-Berzingue. Ils étaient en retard et avaient peur de rater leur avion pour leur lune de miel à Tahiti. Oh. Arrivée à la porte d'embarquement, Annabella se dirigea vers l'hôtesse et la supplia en pleurant. <laughs> « Je vous en sens... wow. supplie, sens... Laissez-nous prendre cet avion, sinon ma lune de miel sera cachée Je <laughs> ferai absolument tout ce que vous voulez Je suis bi, donc allez-y, <laughs> n'ayez pas peur de me demander une faveur sexuelle de n'importe quel ordre que ce soit !»« Billet, s'il vous plaît !» Annabella et Lord ont entendirent leurs billets respectifs. C'est tout bon pour vous, monsieur, vous pouvez passer. Mademoiselle, c'est un billet pour un concert de Tokyo Hotel, dit l'hôtesse. <laughs> c'est vrai Madame, nous, nous sommes mariés, dit Annabella en faisant un gros poutou à Lord montrant le clair. Comment ça, c'est un billet de concert s'étonna-t-elle en lui arrachant <laughs> le papiers des mains. Ah oui, merde Elle fouilla frénétiquement dans son sac, mais ne trouva rien. Il doit bien y avoir une solution Pas de billet, pas d'avion, comme dit le dicton, répondit l'hôtesse. <laughs> bien sûr. Euh, ce n'est pas très français, Diana. Bura. Je ne suis que hôtesse de l'air, vous savez, je n'ai pas fait je ne <laughs> ai pas fait Harvard. <laughs> je n'ai pas fait hardvard. intervient. <laughs> bon, écoutez, je suis super riche, je suis abonné à Mazdaq. Ah, oh, ça là, là, qui comprend pas la ref, c'est une dinguerie. Oh là là, la ref TikTok de Zinzin. Oh, la ref TikTok de Zan mais vas-y. Ah non, là, la ref TikTok. Attends, attends, attends. Tu sais pas bien. la ref. Oh putain. Ah c'est le truc où le mec, ou des, des, des gens vont... Euh... C'est une parodie, en fait, sur euh, TikTok, en gros. Le clair à la ref. Ouais, le clair à la ref. En gros, c'est Mazda, c'était un TikToker avant qui disait, en gros, euh, euh, quand vous êtes dans une situation, par exemple, où euh, vous êtes au supermarché, ils ne veulent pas vous échanger un produit, alors vous n'avez mmh. pas le ticket de caisse. En fait, selon le code de machin, ils sont obligés de trucs, mmh. machin. Et, euh, il, sort des lois, euh, il sort des lois, il, il, il sort dit du, dit, du coup euh, des lois de merde où il dit mm. euh, selon la. C'est un, un truc vrai, un truc euh, premier degré. Et du coup, euh, il finit toujours ses TikTok par dire euh, du coup, vous direz que vous étiez abonné à Mazda et que vous avez, euh, vous n'êtes mm. pas laissé faire, vous savez la truc. Et du coup, il y a plein de gens qui ont parodié ça sur TikTok en disant euh, quelqu'un qui arrive qui dit eh vous n'avez pas le droit d'uriner là mm. Et genre en mode ah si, si, selon la loi du machin truc. Euh, euh, je suis abonné à Mazdaq et je sais que mes droits, ces trucs machin. Et du coup, c'est très drôle parce que là, c'est pareil. Le 3 intervient. Bon écoutez, je suis super riche et je suis abonné à Mazdaq. Je connais mes droits. Mazdaq est mort, monsieur Leclerc. Tout ce qu'il a dit sur son compte TikTok est donc caduque, malheureusement. Merde. Bon, et si je prends le supplément bagage en soute, est-ce que ma femme peut avoir une petite place Alors, ça oui, sans aucun problème. Madame, mettez-vous sur le tapis, s'il vous plaît. C'est comme un bagage Oui Elle est comme un bagage, Annabella. Trop bien. L'hôtesse la pesa avec sa machine, puis imprima l'étiquette du bagage et la colla sur Annabella. Elle appuya sur le bouton et Annabella partit sur le tapis roulant avec la valise de Lord Gontran qui lui fit un signe de la main. Bon voyage, mon amour On se voit à l'arrivée oui, oui. Bon voyage, bagage Elle l'appelle bagage. C'est ce qu'a fait l'hôtesse. J'ai peur, chouine Annabella. Mais non, ça va bien se passer, la rassura Lord Gontran Leclerc. Annabella disparut. Vous êtes très charismatique, Lord Gontran. L'hôtesse invita Lord Gontran à aller s'installer sur son. <laughs> il a écrit Lord Gontran. Gontran. <laughs> <Donc, rire> à aller s'installer sur... à son siège en business class. Oh. Comme il avait une place libre à côté de lui, il en profita pour se mettre Gucci et, en... et étendit ses jambes. Pour se mettre Gucci Ouais, se mettre Gucci, cest bien se mettre. Elle n'a pas, les... pas les termes. Non! Alta, bah ça non. <laughs> 12 heures plus tard, l'avion atterrit sans encombre. Nous avons la suite. Blonde rentre à la chercher Annabella au tapis roulant des bagages. Après 15 bonnes minutes d'attente, elle finit par arriver avec une, entre une valise Samsonite. C'est ça Justine. Mais surtout se mettre genre dans le dans l'opulence, ouais. tu vois. Se mettre Gucci, c'est genre avoir se mettre genre Gucci Gucci ya ya ta ta. Gucci Gucci na, na. ya ya na 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 na. Moche cola ya ya. ya, ya, ya. Me lade, Pain, pain. Pain, pain. Pain. Voulez-vous coucher avec moi Pardon. Pardon. <laughs> Elle finit par arriver donc entre une valise Samsonite et un sac de, de randonnée Keshuwa. Un homme s'approche d'elle et la saisit en mode pack de bière. Un doigt dans le vagin et un doigt dans le cul. Notre <laughs> <laughs> conducteur se mit en travers de sa route. Monsieur, vous avez pris mon bagage. Oh, Excusez-moi, j'ai confondu avec mon sac. Il posait un et est parti. Oui, je veux bien coucher avec vous. Ah, ah merci, okay. Lord Gontran. Je vais t'appeler Lord Gontran, le docteur de Heureusement pas. que tu es intervenu, mon amour. Ne t'inquiète pas. Je veille surtout à présent. Je t'aime, Anabella. Tu es ma petite. Gotopouf. Tu es ma petite Gotopouf. Après un trajet en taxi, <laughs> les deux tourtereaux arrivèrent dans le camp de vacances. Un immense complexe avec des bungalows, une plage oh. de sable fin, des oh. palmiers et un buffet à volonté. Leur bungalow était luxueux. Annabella a enfilé un string de bain minuscule. Rentonne-toi to comme place. ça, Justine. Go pouf. te pouf. pour aller bronzer sur la plage. Lord Gontran l'accompagnait en costard-cravate. C'est con. Tu m'étales Tu mmh. m'étales de la crème solaire partout, Gontran. Oui. Par contre, ça reste Lord Gontran. Tant je suis PDG des hypermarchés de Claire. Tu dois m'appeler par mon titre. Il saisit la crème solaire et en étala partout. Il en mit même un peu sur les l'élève d'Annabella, qui s'empressa de mimer qu'elle avait avalé la crème comme si c'était du bon lait entier de chez Candia. Mmh. 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 Une voix magnifique retentit sur toute la plage. suis baigné Glace, tabernacle Je Je sais pas, il y a un pic. Ouais. Euh, non, attends, c'est... Euh, tabernacle, du coup ça veut dire que c'est une québécoise Oui Ah, tu, tu veux fond, pas, que... va, que... faire l'accent euh... Oh, c'est dur Ah, calice, ok. Chouchou, beignet, glace tabernacle. Une fille ultra sexy avec un panier plein de délices sucrées marchait sur la plage. Elle s'arrêta près de Gontran et Annabella. Elle avait un superbe tatouage en forme de feuille d'érable au-dessus de l'arrêt du fion. Quelque chose vous ferait plaisir, tabernacle Demanda-t-elle avec un fort accent québécois. J'arrive pas à faire l'accent québécois, oh, mais c'est pas dur, grave. C'est hein. dur, oui. <laughs> « C'est moi le... Ah oui. oui, je veux bien un magnum millionnaire double caramel, s'il vous plaît, demanda Lord Montrant. » Il regarda la vendeuse avec désir. Elle était vraiment magnifique. Annabella le remarqua immédiatement. « Moi, je ne prends rien, merci, dit-elle d'un ton sec. »« Ça fera 4,50 euros, tabarnacle. » Lord Montrant tendit sa carte bleue en mode sans contact, mais le paiement fut refusé. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire Je suis multimillionnaire !» « Je suis bien désolé, monsieur Leclerc, il va falloir me rendre l'eau glace si vous n'avez point les sous-sous pour payer. <laughs> » C'est vraiment écrit comme ça, hein. l'eau glace et tout. <laughs> « Vous savez qui je suis vous... vous êtes un client tabarnacle. <laughs> »« Oui, c'est vrai. Au moins, vous, vous êtes un point tabarnacle. » Il reprit la glace des mains de Lord Gontran et s'en alla. Lord Gontran était inquiet. « Adabella, j'ai un mauvais pressentiment. »« Quoi donc ?» Il sortit son téléphone et fit quelques manipulations. « Oh non !» Quoi, bébé Je n'ai plus accès à ma carte pro, parce présent je te paye avec la carte qui arrive directement sur les comptes du magasin Leclerc. Comment ça Eh bien, chaque fois qu'un client paye quelque chose dans un magasin Leclerc, l'argent va directement sur le compte qui était relié à ma carte de crédit. Mais pourquoi ça ne marche plus C'est à cause de Walmart. Il a réussi à racheter mes parts de magasin Leclerc sans que je ne m'en rende compte, car je suis trop à fond dans l'organisation du mariage. Je suis ruiné, je n'ai plus rien, et je n'ai même plus mes pouvoirs de supermarché, car quand on perd son titre, on perd les avantages qui vont avec. Mais c'est terrible! Qu'allons-nous devenir? Je misais sur ta fortune pour ne jamais travailler de ma vie! répondit Annabella, les larmes aux yeux. Écoute, je vais essayer de voir le côté positif des choses. Je crois que j'en ai marre de cette vie de responsabilité. J'ai envie de vivre de manière minimaliste avec toi. Ok? Tu es ce que j'ai le, euh, le plus précieux au monde. Et si le faut, nous vendrons quelques-uns de tes strings usagés sur Vinted. À des pervers qui nous en donneront quelques centaines d'euros, qu'en dis-tu? Bah, sur Vinted, c'est bien. C'est ma vie. C'est ta vie. Ouais. Tu as raison. Tant que nous sommes ensemble, il ne peut rien nous arriver. Je n'arrive pas à lire. Ah. <laughs> il faut que je te dise autre chose. Je sais que Walmart a la réputation d'être très très dur en affaires. Ça m'étonnerait qu'il se contente de me ruiner, et de m'humilier. Je pense... qu'il va essayer de s'en prendre physiquement à moi. Tu es sûr que tu n'es pas en train de psychoter <laughs> L'avenir le dira, ma douce. Mais que lui as-tu fait pour qu'il t'en veuille autant <laughs> C'est extrêmement long et compliqué à expliquer, mais je vais tenter de te résumer cette sombre histoire de business. En fait, il voulait s'implanter en France. Et je lui avais promis de lui vendre l'hypermarché Leclerc de bourgoin jallieu pour qu'il puisse en faire un Walmart. Et puis, et puis en fait, j'ai zappé. Zappé C'est-à-dire Bah, je sais pas, j'ai oublié de signer le contrat, quoi. Ça arrive à tout le monde. Tu me connais, je suis beau et charismatique, mais il m'arrive d'être un petit peu tête en l'air de temps en temps. C'est bien toi, ça en tout cas, même pauvre, tu continues de beaucoup m'exciter dans ton costard. <laughs> ah là, si nous parlions d'autre chose et que nous faisions un château de sable. Avec plaisir, mon mari. Les deux amoureux passèrent le reste de la journée à faire un immense château de sable de 7 mètres de haut. Bon ouais. Le château attira l'attention du directeur du camp de vacances. Par contre, on a un petit souci, faudrait que tu te mettes un peu là. Ah oui, je commence je suis trop à... vers tôt. Plus ça va, tu, plus tu m'écrases physiquement, bite. Ah la non. bite. Oh, ma didio, ah, bah là, on, on te dérange, hein? Te te tu te déranges. Si si tu te, te, te la, la fous dans le cul. Ah c'est magnifique. Je peux visiter. Lord Gontran et Annabella étaient honorés que le directeur de vacances oh. en personne. Non, du camp de vacances, pardon. En personne prennent le temps de visiter leur château de sable. C'est bon. qui ça? C'est moi? Ouais. Alors ici, c'est la salle de réception. Sur la droite, vous avez les toilettes pour faire caca. Sur votre gauche, vous avez les cuisines du château de sable et le mérail de Gontran qui prenait la visite très au sérieux. Soudain, une immense vague détruit le château d'un seul coup. Le directeur du camp de vacances se fit emporter au large. Allez, je vous vois me regarder. Blouh, blouh. <laughs> oh, me Ses chaises. Ce dernier appelait à l'aide, mais Lord Gontran était tiraillé. Il ne voulait pas mouiller son costard Hugo Boss hors de prix. <laughs> le pauvre directeur mourut noyé, du moins on suppose. En tout cas, plus personne n'entendit plus jamais parler de lui. Lord Gontran se refusa à s'avouer qu'il risquait la prison pour non-assistance à personne en danger. Ouais. Annabella était triste. Cet homme avait le cœur sur la main. Lord Gontran. <laughs> Lord Gontran Leclerc <rire> <rire> Grâce à son mindset d'entrepreneur, il vit une opportunité. Annabelle, au oh diable le supermarché. Je vais reprendre la direction de ce club de vacances, faire de l'argent et notre lune de miel durera éternellement. Quelle belle idée, Lord Gontran On pourrait organiser un concours de t-shirts mouillés pour fêter ça Ça me paraît un petit peu osé comme activité. Même si la vendeuse de chouchous participe Hein euh, Qui Elle oh, oh, Je ne l'avais même pas remarqué C'est les clés là Vous mentez mal, Lord Gontran. J'aime quand vous êtes gêné, vous êtes si chou. Lord de et tron, il y en avait là à rentrer au village de vacances. Lord de n'eut aucun mal à convaincre les employés du camping de le nommer directeur. Son CV de PDG d'une multinationale parlait pour lui. Dès le lendemain, il prit ses fonctions. Stylé. Trop fort le mec. C'est plus lors de mon c'est lors de mon quand vacances quoi. Le nouveau directeur. Regarde, c'est la québécoise Ah, c'est la québécoise en photo. Putain. Au milieu du village de vacances, il y avait une grande scène pour accueillir tous les spectacles et pour faire les grandes annonces. Mmh. C'est sur cette scène que Lord Gontran s'apprêtait à faire son premier discours du directeur, de directeur face à tous les vacanciers. Annabella était à côté de lui pour le soutenir. Mmh. Lord Gontran ferma son poing pour que les gens arrêtent de papoter. Ça n'eut aucun effet. Il parlait directement dans le micro. Bonjour à tous. Merci d'être là. Déjà, j'aimerais qu'on prenne une petite minute de silence pour mon prédécesseur mort noyé dans des circonstances absolument atroces si quelqu'un seulement avait pu l'aider. J'ai des frissons de euh... tristesse. Paix à son âme. Bon, en vrai, il c'est long. Passons direct à la suite. En tant que nouveau directeur, et en concertation avec ma femme, Madame Bella, ici présente, nous allons réduire les activités sportives que propose le camp de vacances. Les gens UR. Wouh Mais nous allons les remplacer par des activités sexuelles. J'ai l'honneur de vous annoncer que le camp devient officiellement échangiste et nudiste à partir d'aujourd'hui. Tout, tout le monde l'applaudit. Un homme sortit immédiatement son paquet de son cible de bain. Ses testicules étaient percés avec des chaînes, au bout desquelles pendaient deux boules de pétanque. Oh. Ok. Je peux enfin montrer mes couilles et mes piercings à tout le monde. Quel soulagement Montrand était heureux que son annonce emporte une telle adhésion. Il reprit. Alors, pour commencer, sous des meilleurs auspices, je vais vous demander d'embrasser avec la langue votre voisin ou voisine de droite, quel que soit son genre, sa race, son niveau de beauté. Ou son niveau d'éducation. Une dame leva la main. L'ordre qu'on Leclerc, ici, c'est un ressort familial. Je ne veux pas que mes deux enfants, Séraphin et Mauricio, assistent <laughs> à des scènes de dépravation sexuelle. Même si, à titre personnel, je me languis de me faire déglinguer. Alors, oui, j'entends. Euh, on a pensé à tout. Les enfants auront un espace dédié où ils pourront baiser entre eux, sans voir les activités des adultes. Maintenant, pour fêter tout ça, je vous propose un grand concours de t-shirts mouillés. Tout le monde était survolté. On accueille tout de suite la première candidate, qui est un peu la première dame de ce camp de vacances. J'ai nommé ma charmante femme, Annabella Annabella se leva et fit quelques petits pas de danse très hot sur la scène. Lord montrant l'éclaboussa avec un jet d'eau, laissant entrevoir ses tétons à travers son t-shirt blanc, sous les applaudissements de la foule. Bravo, bravo Le concours dura trois bonnes heures. Toutes les femmes du camp jouèrent le jeu. Bravo. Cette journée était une pure masterclass. Bravo. Lord montrant ne pouvait <laughs> rêver mieux pour son premier jour aux commandes. Annabella et lui étaient épuisés tant par l'émotion que le travail accompli. Le soleil se couchait sur le camp de vacances. Annabella et leur Montran se préparaient à aller au dodo dans leur bungalow. Aller au dodo. Ah oui. Ça doit de lire. Oh, bon courage. Hein. Vous verriez comment c'est écrit. Je okay. pense qu'elle... Attends, à mon avis, elle se brosse les dents. Ouais. Elle se brosse les dents, ok. <laughs> Attends, j'arrive pas à comprendre ce que ça veut dit. Franchement, c'est super, cette journée. Ah oui, franchement, c'était super cette journée. Oui. Vous voyez comment c'est écrit avec plein de lettres au milieu et tout. Qu'est-ce que tu dis, ma chérie C'est vraiment doux le soir. Annabelle est sortie de la salle de bain avec du blanc tout autour de la bouche. Arrête, Je dis, c'est une super dis Arrête de me parler en te brossant les dents, voyons Annabella était confuse. Elle cracha ce qu'elle avait dans la bouche. Love Gontran, je dois vous avouer quelque chose. Ce n'était pas du dentifrice, c'était de la mousse à raser. J'ai confondu. C'est dégueu. On dirait Cacou coup oui. Love Gontran lui sourit tendrement. Il pensa. <laughs> Corrigi, Annabella. Bonne, mais conne, comme on dit. Je l'aime. Petit, <laughs> Petit bonbon. Petit bonbon. Petit bonbon. Puis, étonnement. Waouh! Puis il n'eut étonnamment pas envie de la baiser. Pourtant, son string dépassait. Cacou cacou Je suis bête. Cacou cacou 202 Voilà vache. seraient ce les premiers effets du mariage De la mmh. routine qui commençait à s'installer mmh. Quelqu'un frappa à la porte et tira l'ordre montrant de ses pensées. Il alla ouvrir. C'était la vendeuse de chouchous québécoise. Elle était oh particulièrement apprêtée. Contrairement <laughs> à Annabella, il eut instantanément envie de la tringler. Vraiment... Bonsoir, euh, que me vaut le plaisir, je ne connais même pas votre nom. C'est Bernard, même si Lord Gontran, vous n'avez pas à connaître le nom de tous les employés d'un coup, ou alors vous êtes vachement intelligent. Hein. Je me présente Beverly, je viens du fin fond du Canada. Ah oui, comme le flic de Beverly Hills. Non, <laughs> moi c'est Beverly tout court. Ah oui, pardon, qu'est-ce que je peux faire pour vous en cette belle soirée Eh bon, je ne sais pas comment dire, je suis timide, j'avais une requête un peu particulière, mais qui pourrait ne pas plaire à votre dame. M'intrigue et Beverly, dites-moi tout. Mmh. J'ai envie que vous me gobiez ma grotte à Grizzly. Après quelques secondes, Engontran comprit qu'elle lui faisait des avances d'ordre sexuel. <laughs> ma grotte à Grizzly, <laughs> à Grizzly ça me fume. Annabella ne s'était pas montrée, mais avait tout écouté. Elle sortit de derrière la porte. C'est quoi cette histoire Tu veux que mon mari te lèche l'oignon J'ai tout entendu. <laughs> non, la grotte à Grizzly, y a pas l'oignon. Il faudra me passer sur le corps. Oh. Beverly ne se fit pas prier et n'attendit pas une seconde pour se jeter sur Annabella. Laure Gontran n'en croyait pas, ses oh. yeux. Il assistait en direct, live, à un combat oh. de cochon. <laughs> combat de deux cochon. femmes se battaient pour lui. Oh. Il ne put s'empêcher de se malaxer la queue par-dessus son pantalon en observant Annabella et Beverly se griffer le visage et oh. tirer les cheveux. Et se tirait les cheveux. Après 30 minutes de bagarre... ne sont pas procs De après, euh, bagarre. Putain, 30 minutes. Les deux misses étaient en string, de au sol, miss. toutes les deux épuisées. Annabella regarda sa rivale et lui glissa un mot à l'oreille. Beverly acquiescia, acquiesça, pardon, en hochant la tout tête. Tout à fait, Leclerc. Puis Bonjour les... Mickey. Bonjour Mickey. Leclerc a dit deux femmes qui se battaient pour moi. Wow. Mm -hmm. Et ouais, Leclerc. Et Et ouais. Ouais. Puis les deux femmes se relevèrent. Annabella parla la première. Lord Gontran, on a trouvé un, un compromis. Comme personne n'arrive à prendre le dessus, on a décidé de faire un plan à trois. Ah, Au-delà de ma jalousie maladive, car tu es mon mari, je crois que l'expérience <laughs> peut me plaire. lord Gontran était tout excité. Avec plaisir, les filles. Regardez. J'ai déjà un beau chapiteau à vous de jouer! Il déballa son matos et les deux filles se euh, jetèrent dessus. L'énorme session de baisse commença. À... Annabella. La musique? Ok, mais... c'est moi. Annabella euh, s'affairait sur la queue de son mari, mais gardait un oeil sur Beverly. Cette dernière prenait toute la place, tant physiquement que phonétiquement. Elle beuglait non, comme. Phoniquement. Phoniquement. Elle beuglait comme une vache qu'on emmène à l'abattoir. Petit un craque-moi dans la patinoire à la Calibou! Vas-y, plus fort! Craque-bas de haut en bas, dans ma forêt sombre! Fais-moi couler la sève de mon urine! De, de mon, mon usine! assez le mon salopard! Le recontre, on n'avait jamais vu quelqu'un autant aimer l'anulingus. Il en eut une crampe à la langue. Ouais. Quand elle <laughs> accepta qu'il change enfin de position, elle reprit avec la même vigueur. Fous-moi donc ta grosse grosse. Euh, Fous-moi donc ta grosse grosse de hockey dans le gosier! Ensuite, tu vas me prendre un style canin en frais du. Fais sa bouche! C'est ben bon tout ça C'est les Niagara Falls dans ma zigou... attends, attends. C'est les Niagara Falls dans ma zizoune, tabarnak Ça fait. c'est écrit en majuscule énorme j'adore Même Annabella, qui pourtant est une sacrée salope, n'en revenait pas de la vigueur de cette fougueuse vendeuse de chouchou québécoise. Elle avait gagné son respect. Annabella avait finalement apprécié le moment. Après que Lord contrat eut enfin giclé sur les maudites mamelles de Beverly. Les trois heures finirent par s'endormir dans le même lit. Oh. Chapitre 5. La, la disparition. disparition. Et c'est un roman de Georges Pérec ou... C'est <laughs> se les Anna s'est réveillée dans le grand lit king-size du bungalow. <laughs> Tout, Tout en... est king-size dans le bungalow. Ouais. Dans partout. Les lits sont toujours king-size, peu importe où. À sa grande surprise, elle était seule. <laughs> Attends, y a une vidéo. Qu'on amène à l'abattoir. Ouais. Putain, train craque-moi dans la patinoire à Calibou! Vas-y, plus fort! Rac-bas de haut en bas, dans ma forêt sombre! Fais-moi couler la sève de mon urine! Mon de lit. mon usine! Assurez-vous d'érable, mon salopard! Lorsqu'on d'entrée, on a jamais vu quelqu'un! Oh, super gênant! Non, j'adore! <laughs> c'est la coté qui change en. Comment il va, le petit Mickey? C'est fini ou pas? Oui. Ah, oui, c'est fini! Incroyable! D'où Jésus, je, je suis Génax au max! Bah, non, c'est pas gênant! C'est trop bien! <laughs> bon, Lord Gontran n'était pas là non plus en fait. Annabella se leva et sortit se promener dans le village. Quant à lui ça me fait rire. J'en en mode drôle. Ah. Annabella se leva et sortit, j'ai dit. Arrivée au buffet à volonté, elle salua... Mais attends, elle... mais il est où Gontran là Non, je pas. Oh, elle salua ses clients et demanda à un employé s'il avait vu Lord Gontran. Oui. Et non, je n'ai pas vu le directeur, madame à la ba... Annabella. Désolé. <laughs> Il est bien, ton, ton ouais. employé. Hein. Je, je, je suis très inquiète, Vaillera. Il prévient toujours quand il quitte le bungalow habituellement. Monsieur le directeur a bien de la chance de vous avoir dans sa vie, Madame Annabella. Si jamais vous ne le retrouvez jamais, je serai ravie de le remplacer pour tout ce qui est sexuel. Oh. Pour le reste, malheureusement, je passe mon tour. Je suis phobique de l'engagement. <laughs> je préfère vie. ne pas penser au pire. L'ordre montrant doit bien être quelque part. Merci pour ton immense gentillesse, Vaillera. Vaillura, mais c'est quoi ce prénom? Répondit Annabella au bel employé thaïtien. Ah oui, pardon. thaïtien. Elle poursuivit ses recherches. Au service comptable, rien. Aux toilettes pour hommes, rien. Aux toilettes pour femmes, rien. Lorsqu'on trans aimait parfois faire son affaire dans les toilettes des filles, car leur caca sent meilleur. C'est vrai. Au cours de, de jet ski, rien. Au terrain de volée, rien. Dans la réserve de nourriture, rien. Personne ne l'avait vu nulle part dans tout le camp de vacances. Oh. Annabella s'empara de son téléphone et appela quelqu'un qu'elle connaissait bien et qui pourrait sans doute l'aider. Dring dring C'est faux Un homme à la voix suève décrocha. J'aime pas le caca. <laughs> euh, Inspecteur Stéphane, j'écoute. Inspecteur Stéphane, c'est Annabella à l'appareil, vous vous souvenez de moi <laughs> Bien sûr, la nympho-lama. La, la nympho-lama, ok. Tu dates, comment ça va depuis le VG Le VG Notamment de vie de garçon. Ah oui, mais mais c'était jeune, jeune fille à la base, oui. ah, voilà. Pas top, j'ai un service à vous demander. Je suis gay, Annabella, il fallait que ça sorte. Euh, euh ok, pour tout <laughs> vous dire, je m'en doutais un peu, inspecteur. Qu'est-ce que, pourquoi il dit ça d'un coup Ah, parce qu'il avait peur que la... euh... okay. Comment ça Vous trouvez que je fais un peu tafiole, c'est ça Attention, Annabella, votre réaction frise l'homophobie. Ici, <laughs> la faisant juste... tafiole, j'adore. C'est juste que je trouve que. C'est juste que je trouvais bizarre que vous ne m'ayez jamais baisé. N'importe quel hétéro en rêverait, je crois. L'appel se coupe abruptement. brusquement. <laughs> L'inspecteur Stéphane était-il vexé au point de raccrocher au nez d'Annabella Une heure plus tard, son téléphone sonna. Oui, allô, Annabella Leclerc, j'écoute Oui, c'est l'inspecteur Stéphane, ça a raccroché. J'avais complètement explosé mon forfait mobile. J'ai dû aller m'acheter une mobicarte carte au tabac pour pouvoir rappeler. <laughs> Je ne comprends pas, c'est moi qui appelais à la base. Oui, Mais, euh, je suis en Thaïlande en ce moment, donc je paye aussi quand on m'appelle. Bref. La Thaïlande, génial. Il paraît que c'est magnifique. Euh, ça, je pourrais pas vous dire. Hein. J'y suis exclusivement pour me faire sucer par des ladyboys à l'hôtel. <laughs> bon, en quoi <laughs> puis-je vous aider, Nabela Eh bien voilà, je suis sur une île paradisiaque pour ma lutte. Pour la... pour ma lutte. Pour ma, on ma lutte. de miel et l'ordre de mon train a disparu. <gasps> disparu mmh. Ça ne me dit rien qui vaille. Croyez-en mon instant flic. Bah, C'est pour ça que je vous appelle justement. Comment je peux le retrouver Personne ne l'a vu au camp de vacances. Ok, euh, vous allez faire exactement ce que je vous dis de faire. Ah oh, putain, la vache oh. Euh. pourquoi je fais il fait ça Parce qu'il se fait sucer. Ah ouais <laughs> Tout va bien, inspecteur euh, euh, pardon, euh, ce Ladyboy fait n'importe quoi. À tout hasard, vous savez pas comment on dit pas dedans imbécile T'as vu combien je te paye en Thaïlandais Euh, <laughs> non du tout. Bon, pas grave. Bien, vous allez aller dans votre chambre. Dans le panier à linge sale. Vous allez prendre un slip de Lord Gontran, le plus crade. C'est si du fromage de caquette, c'est encore mieux. Vous me dites quand c'est bon. Du fromage de caquette <laughs> Heureusement, Annabella était à proximité de son bagalot C'est bon, j'ai ce qu'il faut. Ensuite Trouvez un client de votre camp de vacances qui est un clé Annabella sortit et se dirigea vers l'espace buffet. C'est là qu'il y aurait le plus de clients réunis. Elle repéra un couple allemand avec un énorme pitbull. C'est bon ah, Pardon. C'est <laughs> bon C'est bon « C'est bon, j'en ai trouvé un », dit Annabella au téléphone à l'inspecteur. « Super, laissez-lui l'anus. »« Du chien. Bah non, je pense qu Quoi »« Non, je pense qu'il parlait à ses à son ladyboy. »« Non, vas-y, okay. Annabella s'exécuta sous le regard horrifié du couple <laughs> nudiste allemand. « Je peux savoir ce que vous faites à mon chien ?» L'inspecteur Stéphane, qui entendait tout, parlait à Annabella dans le téléphone. « Ah mais, hein vous, vous l'avez vraiment fait C'était une vanne <laughs> !» <laughs> non, mais non, en fait, euh, faites-lui juste sentir le slip sale et dites-lui cherche Putain, c'est Anna -ce Béla... Oui Annabella obéit. Elle trempa la truffe de, du bon pépère dans le slip plein de fromage de bites de son mari. Le chien eut une réaction. Il semblait réceptif à l'odeur rance de cet amas crémeux. Cherche Doux Jésus <laughs> Le chien ne réagit pas. Stéphane suggéra à Annabella de lui demander en allemand. Souche dit-elle. <laughs> Sourd oh. <laughs> tu veux dire souche <laughs> Souche <laughs> Putain tu ne sais pas lire l'allemand. Souche ich, ich nicht Ich, ich nicht Comme dancing Ich nicht Le chien se mit immédiatement à flairer par terre à la recherche d'une piste. Après quelques secondes, c'est un pitbull. Hein. Il se mit à courir <laughs> vers l'extérieur du camping. Ses propriétaires étaient furieux, mais Annabella a la bonne idée de leur jeter une saucisse du buffet pour faire diversion. Pas mal. Donc, une saucisse désormais. sur les Allemands. « Aucun Allemand ne peut résister à une bonne saucisse. » C'est vrai. « Annabella suivit le toutou, celui-ci courait à vive allure en direction de la jungle qui jouxtait le camp de vacances. Il s'enfonçait à travers les arbres. Annabella peinait à le suivre, mais arriva finalement dans une clairière avec en son centre une petite cabane. Oh. Le chien l'attendait là. Annabella alla toquer à la porte. » Oui ?« fit une voix qu'elle reconnaît immédiatement. Hein » Oui ?« fit une voix qu'elle reconnaît immédiatement. » Annabella se cacha, à la porte s'ouvrit, c'était Beverly. Ah merde, bah attends, c'était Beverly. Mais, Mais c'est moi qui fais Beverly, de toute façon. Oui, pas... oui euh, un accent mmh. québécois, ça change tout. Pensant. Ah non, pensant. Mais qu'est-ce qui vient de à ma porte, tabarnacle T'as fait euh, un accent oui. beige. Belge, je dis... <laughs> oui, un accent un beige, j'ai dit. Beige. Oui, accent belge. Non, j'ai dit beige, genre un la un couleur. Un accent beige, un accent marron. <laughs> oh. Annabella arriva par, la... par le côté en longeant le mur elle lui sauta dessus pour l'immobiliser. Qu'est-ce que tu as fait de mon mari, salope québécoise <laughs> Annabella lui tirait les cheveux. Arrête de me tracter les fils capillaires tu ce dit !»« Je m'en vais tout expliqué là! Annabella, elle a se relever et elles entrèrent dans la cabane. Autour d'un petit thé de détox, Beverly lui expliqua ce qu'elle savait. son ouais. C'est Annabella. Ah, pardon. Annabella, non, Beverly. Bah, t'as pas dit Annabella? Non, ah, d'accord. En fait, j'ai reçu une coquette somme en dollars canadiens. Pour tenir un piège au cerf, l'autre gontran de le On m'a demandé de le droguer et de l'emmener à un point de rendez-vous. Rendez-vous? D'abord, ah, Le droguer? Mais comment Mais ça? arrête de me corriger! Mais j'aime bien, pas, je moi. lis, je lis, rendez-vous oh. Je me suis étalé en puissant somnifère, non, je me suis, je me suis étalé en puissant somnifère sur mon anus et je me suis arrangé pour qu'il lèche jusqu'à ce qu'un piné, putain, <laughs> lèche pendant qu'il piné comme des caribous. Ensuite, je l'ai traîné jusqu'à l'extérieur du camping où, était... où a été récupéré par les bouts qui pourtant l'air commode. Mais qui t'a demandé de faire ça à Beverly Et pourquoi Je connais point ses motifs, mais c'est un bout qui se prénomme l'autre Christopher Walmart. Euh, Walmart. Oh. Je, je me corrige encore. Non. Je pouvais point refuser. <laughs> J'avais besoin de dollars canadiens. Mais je ne souhaite pas mal, monsieur l'angain en résenceur. Walmart, j'aurais dû m'en douter. Tu sais où ils l'ont emmené Ils l'ont brinqué jusqu'à chez lui de sa barnaque. Une voix étouffée retentit. Une voix étouffée, c'est qui ah, oh oh, C'est qui C'est C'est l'inspecteur Stéphane. Oh mon dieu, j'en fous de partout Elle avait là se rappela qu'elle était toujours au téléphone avec l'inspecteur Stéphane. Elle en profita pour lui demander son, un dernier service. Merci pour ces informations Beverly. Inspecteur, vous m'entendez toujours euh, Oui désolé, j'ai beuglé un peu fort mais j'ai rarement été sodomisé aussi professionnellement par un ladyboy. Quel pied putain, j'adore la Thaïlande. Autant la pipe c'était pas ça, autant la sodo qu'elle régale. Je vais revoir ma note TripAdvisor. <laughs> Inspecteur, vous pourriez me trouver l'adresse de Lord Christopher Walmart ?»« euh, Bien sûr je vais, chercher, je vais chercher ça dans la base de données de la police. Je vous, je vous envoie ça sur WhatsApp. Qu'allez-vous faire de cette information Annabella répondit d'un ton vengeur. Je vais aller sauver mon mari. Oh Chapitre 6. Un sombre deal. Oh. Annabella se rendit à la localisation que lui avait envoyé l'inspecteur Stéphane. Après avoir pris un taxi, sur fait. 700 km. Mais qui veut écrire des livres comme ça bah oui, Mais écrire des livres comme ça, c'est tellement le meilleur truc. Elle n'eut d'autre choix que de faire un taxi basket car oh. il n'y avait plus de sous sur la carte de son mari disparu. Oh. Malheureusement, elle ne courait pas très vite et le chauffeur de taxi la rattrapa aisément. Ah, oh, attends, le chauffeur de taxi, je vais devoir le faire. Attends, je réfléchis à un accent. Attends, ah, il parle pas encore. Ah, attends, attends, ouais, vas-y. Il vas l'a menaça d'appeler la police, mais Annabella réussit à trouver un compromis pour partir. Elle accepta de laver sa voiture en string pendant que le chauffeur se masturbait. Normal. Il avait également négocié de pouvoir lui gicler sur les pieds, ce qu'elle avait accepté sans broncher. Bien sûr. Annabella fit le dernier kilomètre qui l'a séparé de sa destination à pied pour être discrète. Oh! Elle arriva devant un immense manoir gothique, du entouré d'une haute haie. Elle regarda la plaque en or massif sur laquelle était écrit « Demeure de Lord Christopher. » Elle était au bon endroit. Elle sentait au fond d'elle que Lord Gontran était prisonnier à l'intérieur. Ah ouais. Annabella fit le tour du domaine pour trouver un endroit où entrer sans attirer l'attention. Elle finit par repérer... Un, un bout de mur qui était un peu moins haut. Ça repérer <laughs> un bout de mur. Elle escalada et se laissa tomber de l'autre côté dans le jardin de Lord Walmart. Elle se promena en catimini dans l'immense propriété jusqu'à arriver près d'une piscine où elle était cachée dans un buisson et ce qu'elle vit la choqua autant que ça l'excita. Oh Lord Christopher Walmart était en train de promener Lord Gontran, son mari bien-aimé, en laisse autour de la piscine. Oh. Celui-ci avait une boule enfoncée dans la bouche, des œillères pour chevaux mmh. et un plug queue de renard qui sortait <laughs> de son rectum. Annabella mmh. ne put réprimer un cri de stupeur. Un membre de la sécurité vint la chercher dans son buisson et la somma sans préalable. Bah mais elle est con Quand elle se réveilla, elle ne savait pas combien de temps elle était restée inconsciente. Était-ce plusieurs heures Plusieurs jours Elle ouvrit difficilement les yeux et vit qu'elle était suspendue dans une pièce quasiment vide. Elle pendait au plafond, attachée par des cordes telles un saucisson. C'est le début de. Ouais. de. Resident Evil. Ouais. Euh, je sais pas quoi ou quoi là Et Lord Christopher Walmart entra dans la pièce. Tiens Il avait un accent, Christopher Walmart euh, Ouais, un accent belge, je crois. Ouais. <rire> ouais. <rire> ouais, <rire> vrai. Vrai tiens, tiens, notre petite quête s'est réveillée. Comment allez-vous, Annabella Vous êtes cinglouche Libérez-moi <laughs> avant... ainsi que mon mari bien-aimé <laughs> Ça va malheureusement pas être possible Lord Gontran a une dette envers moi. Nous n'avons plus aucun argent, ça ne sert à rien nous voulons juste mener une humble vie de gérant de camps échangeaux naturistes Et moi je voulais m'implanter en France en acquérant l'hypermarché de Bourgoin à Jalieu. On a tous des rêves qui resteront inachevés, semble-t-il. Détachez-moi, les cordes me font mal. <laughs> Là encore, je vais devoir refuser. Je pratique le French Shibari. Les cordes sont placées sur votre corps avec précision. Le but du French Shibari est que vous ressembliez le plus possible à un sauciflard. J'adore la France et la culture. Si seulement j'avais pu m'y implanter, dit Lord Christopher Walmart en soupirant. Écoutez, si vous aimez la France, vous devez aussi aimer ses lois. Et en France, il est interdit de séquestrer les gens. <laughs> Bien tenté Mais non, voilà ce qui va se passer. Je vais jouer quatre sur table. J'ai prévu de buter Lord Gontran. Je peux pardonner beaucoup de choses, mais pas la trahison. Je peux par exemple pardonner si un serveur oublie euh, de me ramener le poivre à table. Mais la trahison, impossible. Je peux aussi pardonner si par exemple... Bon là j'ai pas d'exemple, mais la trahison, absolument impossible de pardonner. Annabella pleurnicha de plus belle. J'ai envie de vous... La... Euh, non, pardon. Oh, Excusez-moi vous parlez à ma place, mais si vous dites ça, comment on comprend la... T'es gueule. <laughs> J'ai envie de vous laisser une alternative, c'est pas un homme. Tout ce que vous voudrez, Lord Christopher. Mais épargnez mon amour, je vous en supplie. Oh non, Lord Gontran-Leclerc. Voilà le deal. Je vous détache euh, et vous devenez ma servante à plein temps à partir d'aujourd'hui. Vous aurez un mois pour me faire bander une fois. Si vous y arrivez, je libère Lord Gontran. Si vous échouez, je le donne à manger à. Là, je n'ai pas d'idée, mais je trouverai un animal terrifiant d'ici là. Un serpent, peut-être, on verra. Bon, bref. Euh, Annabella. Euh, non. non. Annabella <laughs> trouva le défi d'une simplicité folle. Un mois pour elle... faire bander bon, oui, bon, elle attends. était sûre de réussir. Elle était née pour faire bander les hommes. J'accepte votre offre, Lord Christopher. <laughs> Qu'il en soit ainsi. Détachez-la. Lord Christopher Walmart s'éclipsa et un de ses sbires fit descendre Annabella et la détacha. Puis il l'emmena dans une chambre de bonne. C'est le cas de le dire concernant Annabella. <laughs> une chambre de bonasse, oui. Ouais. Vous, dormi <laughs> euh, vous dormirez ici. Voici également <laughs> votre tenue de service. Il lui... désignait une tenue de soubrette très sexy. Vous commencerez dès demain matin. Lord Christopher vous attendra euh, pour son petit déj. Bonne chance. M merci, sbire. Vous m'avez l'air bien confiante. <laughs> oui, je suis une machine à faire juter les mâles. Regarde, Annabella twerka sur le pantalon du sbire qui cracha de la purée en quelques secondes. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça oh, Impressionnant, mais ça marchera pas sur Lord Christopher. Hein Il a des désirs peu conventionnels. Ah hein. <laughs> euh, oui, quel genre Je suis ouverte. Ah ben j'ai pas le droit d'en parler. Ah bon courage. L'esprit prit pris congé d'Annabella, la laissant seule dans sa chambre. Elle pensait essayer de s'échapper pour prévenir la police, mais il y avait des barreaux à sa fenêtre et on avait confisqué son téléphone. Oh, Elle n'avait plus d'autre choix que de faire bander Lord Christopher Walmart pour s'en sortir. Annabella se goda la chatte et se coucha. Se <laughs> goda la chatte. J'adore les verbes. C'était quoi le verbe que je devais... Gouiner. Se gouiner. gouiner. Ok. Chapitre -ce 7. Ces deux femmes ont gouiné. Tout tenté, par amour, du goût. Ah, Amora Tu penses qu'elle va y arriver elle va faire bander Lord Gontran bah, Je pense que oui, mais il va falloir qu'elle fasse un truc très salace. Christopher, pardon. Lord Christopher, parce qu'en fait. Amora, ouais. Parce qu'en en fait. Godage, euh... <laughs> la moutarde. Non, mais en fait, euh, il a des goûts, tu vois. Il a mis euh, une queue euh, ouais. à Lord Gontran, euh, un, une. Euh, comment s'appelle déjà je... ouais, Une euh, gouging il... ball et tout le truc. Il a le dégoût de Sadomaso. Sadomaso, il va falloir que, euh, faire des trucs euh, de zinzin. -zin, ou ou sûr. Euh, Fury, un truc comme ça. Ouais. Annabella, comme euh, ça fait... Mad Max. Ouais, Fury. Road. La, Ma, Ma, Mad Max, la route des Furies. <laughs> Annabella s'est réveillée après une bonne nuit de sommeil. Malgré hmm. les preuves qui l'attendaient à partir d'aujourd'hui, elle avait réussi à s'endormir paisiblement, sans doute grâce au fait qu'elle s'était godée un peu la chatte avant d'aller au dodo. <laughs> se goder un peu la chatte avant d'aller au dodo La phrase est géniale, le petit mot dodo, euh... j'adore. Elle Bref. se leva en étant bien décidée à en finir vite avec cette mission. Elle se pimpa à fond dans la salle de bain, fit son meilleur trait d'eyeliner, mit son rouge à lèvres le plus sexy et enfila son string le plus fin. C'est vraiment moi aujourd'hui. <laughs> enfin, D'accord. elle était prête à en découdre. Un autre sbire que la veille toquait à la porte pour venir la chercher. Les sbires de Lord Christopher Walmart sont, une genre, sont du genre hyper classe, très discret, l'élite de l'élite du sbire. Malgré ça, il ne put réprimer un petit. Oh putain, mon dieu Quelle est bonne mazette Oh, il n'avait pas menti le collègue <laughs> Quand il vit Annabella. Puis, professionnel, il se ressaisit et amena Annabella dans un immense salon. Lord Christopher Walmart l'y attendait, aussi seul, assis seul à une immense table. Il était en train de manger un pain au choc. <laughs> <Pas au choc. rire> Vous pouvez disposer, Jarfred, euh, dit Lord Christopher à son sbire. Ils se retrouvèrent seuls dans la pièce Il avec vraiment, Adabella. Jarfred, hein, par euh, Jarfred. Okay. Après quelques secondes de silence malaisant, Annabella prit les devants. Elle s'approcha de lui, tira son pantalon et lui enfonça deux doigts dans les fesses pour trouver sa prostate. Elle fit des tourbillons avec son majeur pendant, que de, pendant de longues minutes en le regardant dans les yeux. Lord Christopher Walmart ne bougea pas d'un centimètre. Il finit d'avaler son pain au chocolat avant de dire sèchement. <laughs> Vous me décevez, Annabella. Puis il se leva et quitta la pièce. Annabella était abasourdie. C'était la première fois qu'un homme résistait à son célèbre massage prostatique. La mission s'annonçait plus compliquée que prévu. Elle sentit son doigt et pensa Bah oui, idiote, bien sûr que ça sent le caca, tu t'attendais à quoi <laughs> Puis elle allait, se, elle allait se laver les mains. <laughs> J'adore elle passa le reste de la journée dans sa chambre à réfléchir à un plan. Elle, je pense qu'elle goda. Elle va se goder. Mmh, elle devait comprendre la faille sexuelle de Lord Christopher Walmart. Tous les hommes ont une faiblesse. Tout PDG qu'il était, Oui. Tout vrai, elle la trouverait. Mmh. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Annabella se retrouva de nouveau seule avec lui. Il mangeait cette fois une tartine de confiture qui trempait dans du chocolat chaud. Décolasse. Annabella s'avança, prit le bol de chocolat chaud et se le versa sur les nibars Puis elle se mit à genoux et fit un aigao tout en branlant Lord Christopher Walmart et en poussant des gémissements des collières japonaises. Japonaises, pardon. Ah, tu vas pas le faire Oh si si si. Ce dernier attendit. Yamate Yamate Ce dernier attendit, puis après qu'Annabella eut cessé de gendre, lui asséna. Qu'est-ce que vous êtes ennuyante, Annabella! Il va falloir mettre des bouchées doubles si vous voulez sauver votre bien-aimé. Il ne vous reste que 28 jours. Annabella n'en revenait pas. Le pénis de Lord Christopher Walmart n'avait pas bougé d'un iota. Pas un semblant de mimole molle. Rien. Nada. Nada! Le lendemain, Annabella tenta de manger du caca. <laughs> Comment c'est terre à terre, j'adore. Rien. Rien. Et le surlendemain. Annabella tenta de faire La transition, de... voilà, c'est ça. Le <laughs> lendemain, Annabella tenta de manger du caca. Rien. Le surlendemain. J'adore. Annabella génial. tenta de faire fondre des bougies sur ses seins. Rien. Rien. Le sur-surlendemain, Annabella <laughs> se déguisa en drag king et sodomisa Lord Christopher Walmart avec un gos de ceinture géant. Rien. 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 Les jours défilaient, et la quéquette de Lord Christopher Walmart demeurait irrémédiablement molle comme une coquillette trop cuite. Mmh. T'as vu Il devrait en faire une série Original Prime. j'avoue. Après trois semaines d'essais infructueux, Annabella là, était à bout de force. Trois semaines Il ne lui restait plus qu'une petite semaine et elle n'avait aucune idée de comment faire la le moindre effet à Lord Christopher Walmart. Elle pleurait dans sa chambre à chaudes larmes quand Jarfred le sbire toqua à la porte. Oui, entrez <laughs> Mickey. Euh, bonjour, euh, attends, c'était Jarfred. Jarfred, mmh. il avait quoi comme accent Je sais <laughs> plus. Bonjour Annabella, je vous ai entendu pleurer. Je me demandais si vous souhaitiez que je vous bourre la chatte pour vous réconforter la seule chose qui pourrait me réconforter, c'est de savoir comment faire bander votre maudit patron. Je ne peux pas vous aider. Mais est-ce comment le jeu est fair-play Est-ce qu'il peut bander J'en viens à me poser la question. Ah, je peux vous assurer que oui. C'est même une de ses plus grandes fiertés. Tenez, regardez. Il lui tendit son téléphone pour lui montrer son fond d'écran. C'était une photo de Lord Christopher Walmart à poil qui posait nu dans le jardin avec une gaule du tonnerre. En tant que. Pardon. En tant qu'employé du manoir, nous devons tous avoir une photo du patron qui bande comme un âne hein, en fond d'écran. C'était écrit dans notre contrainte de travail. Hein. Mais bon sang, comment est-ce possible J'ai tout essayé J'ai signé une NDA, Non Disclosure Agreement, qui m'empêche de vous euh, révéler quoi que ce soit. Mais au moins, vous savez que c'est possible. C'est déjà beaucoup, j'imagine. Oui. En un sens, ça me permet de garder espoir. « C'est précieux l'espoir. Une petite branlette à travers mon pantalon ne serait pas de refus en guise de remerciement. »« Non, désolée, je suis mariée et je dois réfléchir à comment sauver mon mari. Merci quand même pour votre proposition. » répondit Annabella d'une voix douce mais ferme. <laughs> « Douce mais ferme. Mais vous avez fait jeter mon collègue en tout quand Oui, mais lui, c'était dans l'instant. Ça ne compte pas comme une tromperie. Mmh. Vous, ça serait prémédité. Vous, vous saisissez la nuance. <laughs> »« Comme vous voudrez. Je vais encore devoir me la caler derrière l'oreille pour la nuit. » Jafred Lesbire se retira. Le lendemain, Annabella tenta une approche radicalement différente. Okay. Elle s'assit en face de Lord Christopher Walmart à son immense. À ton avis, qu'est-ce qu'il peut faire de peu différent Ah, euh, je sais pas. Du pisser dessus. Bon, non, je pense pas. Ah bon, je sais pas moi. À son immense style, puis elle... table, pardon, puis elle se concentra. Elle oui. s'était rappelée la nuit précédente qu'elle avait fait une retraite de sexe tantrique d'un mois l'été lé... de ses 18 ans. Okay. Elle baisa tantriquement Lord Christopher. Celui-ci mmh. semblait étonné par la méthode employée par Annabella. C'est pas du pipi. Malgré tout, son kiki demeura flasque <laughs> comme une méduse. Son kiki. Annabella, dépitée après 30 minutes à tout donner, finit par abandonner. Elle se leva pour rejoindre sa chambre. J'admire votre pugnacité, Annabella. Même si pour l'instant, vous ne me faites aucun effet. Regardez. Mon zizi euh, rapetisse et rentre presque à l'intérieur de mon pelle-vie tellement euh, ce que vous m'inspirez est l'inverse absolu de l'excitation. C'est même la première fois que quelqu'un me répugne socialement à ce point et pourtant Dieu sait que j'aime les femmes. Je vais finir par en douter. <laughs> Doutez si vous voulez Annabella, les jours défilent et vous éloignez un peu plus à chaque instant de l'espoir de revoir votre mari. Salaud Annabella se jeta sur le, veille... sur le vieil homme. Et garde, garde ma graisse Annabella n'eut pas le temps de planter ses ongles dans la peau de Lord Christopher que... Deux billes surgirent par la porte et la maîtrisèrent. « Petite idiote Pour la peine, interdiction d'essayer de me faire bonder pendant les cinq prochains jours. Ça vous apprendra enfermez la dans votre chambre. Dans sa chambre. Hein. Dans votre chambre. »« Tu me disais que cinq jours, du coup, il ne reste plus rien mm. Mais c'est complètement salaud de faire ça. » Les cinq jours qui suivirent furent terribles pour annabella Elle s'en voulait terriblement de ne pas réussir à trouver la faille de Lord Christopher Walmart. Elle était enfermée dans sa chambre avec pour seule occupation la masturbation sans support pornographique. Mmh. Oh, trop dur ça. Elle passait donc la plupart de ses longues journées à s'appuyer sur le clitoris contre l'angle de son lit, en fermant les yeux et en imaginant que son mari, Lord Gontran Leclerc, lui fistait l'anus. Mmh. Mais après chaque jouissement, elle revenait à la dure réalité. Lord Gontran n'était pas là. Les poings qui lui ramenaient le trou du cul n'étaient pas dans sa tête. Qui lui ramenait. Est... N'étaient que dans sa tête, mmh. pardon. Et elle éclatait en sanglots. Le cinquième jour, Jarfred de Sbire vint frapper à sa porte. Bonjour Annabella, euh, Lord Christopher Walmart souhaite s'entretenir avec vous. Suivez-moi, je vous prie. Annabella s'exécuta. Sortir de sa prison lui ferait un bien fou. Jarfred l'emmena dans le jardin. Au loin, Annabella aperçut Lord Christopher Walmart qui jouait au golf sur une espèce de sac à patates. Au fur et à mesure qu'elle s'approchait, elle constata avec effroi que le sac à patates oh. n'était autre que son mari. Enfin, ce qu'il en restait. Lord Gontran était en haillon, attaché au sol. Oh. Mmh, seule ses coucougnettes sortaient de sa braguette. <laughs> Bonjour Annabella, et comment allez-vous aujourd'hui Moi ça swing au sens propre comme au sens figuré. Espèce de monstre Qu'avez-vous fait à Lord Gontran À mon Lord Gontran Votre mari paye simplement le prix de son manque de professionnalisme dans le milieu des affaires, voyons. Mmh. Lord Christopher Walmart... Mmh. Oh là, pardon. Lord Christopher Walmart plaçait une balle de, gof... de golf pardon, entre les testicules oh. de Lord Gontran et Swing. Le club frappa de plein fouet les boules de Lord Gontran qui hurla de douleur. « Ah Mais j'ai mal aux couilles Tuez-moi » Lord Christopher Wallamart fit signe, un signe de la main à Jaffred. Ce dernier sortit un taser de sa poche et le posa en plein, à plein voltage sur le visage de Lord Gontran. Oh. « Ferme-la Ferme-la, Gontran euh, C'est qui, tu penses Je pense que c'est euh, mm. Walbert. » Ferme-la, Gontran. Qu'est-ce qu'on avait dit Tu es un toutou. Les toutous ne parlent pas. Allez, fais comme on a dit, sinon je te retase la face. Bouf, euh, bouf Elle voyait timidement Lord Gontran brisé. Lord Christopher était tout content. C'est pas faux. Ah oui Le tasseur sur la bite pour le faire morder. Ah. C'est pas faux. Ah, voilà qui est mieux, bon béper. Bien, Annabella, votre sanction est bientôt finie. J'espère que vous allez vous sortir un peu les doigts du cul <laughs> pour me faire bander, car j'ai beau adorer ce brave toutou. Je me lasse vite des animaux de compagnie et je sens que je vais avoir rapidement envie de le oh. Il est vraiment méchant, Walmart. Il est horrible. Il est méchant, Walmart. Non Mon Lord Gontran, arrêtez de lui faire du mal, je vous en supplie. Je vais trouver un moyen de vous faire bander. J'attends des résultats, Nabella, pas des paroles. Il reprit une balle de golf et reswinga sur les couilles à vif de Lord Gontran. Il ne toucha pas la balle, mais tapa avec vigueur dans la boule droite de ce dernier avant de déclarer en rigolant. Oups <laughs> J'ai encore dans les bouboules. Qu'est-ce que je peux être nul au golf, moi, alors Lord Christopher Walmart, je peux vous demander une faveur J'écoute. J'aimerais pouvoir embrasser mon mari, ou au moins le sucer. <laughs> Malheureusement, cette chose répugnante n'est pas votre mari. Tant que vous ne m'aurez pas fait bander, c'est un euh, mon clébar Et dans mon manoir, personne ne suce les clébards. My house, my house. <laughs> Faveur refuser Retourne dans ta chambre maintenant. Jarfred. Wow. Refré... 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 prit Annabella fermement par le bras et la ramena dans sa chambre. Au loin, elle entendait les gémissements de Lord Gontran en train de se faire ravager les couilles à coups de fer set. De retour dans sa prison, Annabella commençait à avoir de sérieux doutes sur sa capacité à sauver Lord Gontran. Oh non. Elle était mi-furieuse, mi-désespérée. Après avoir tapé dans un oreiller de toutes ses forces pour exprimer sa rage, elle s'endormit. Le lendemain matin, elle découvrit sous la porte de chambre une petite enveloppe. Oh. Intriguée, elle, le ramassa. elle la ramassa, se cacha sous sa couette et l'ouvrit. Sur la feuille de papier était griffonné un mot à la main qui disait ceci. Je peux lire ça Oui, Ou pas. si tu veux. Cher Annabella, je ne peux pas vous révéler mon identité, mais je peux vous aider. Je connais bien Lord Christopher Walmart et je peux vous dire que toutes vos tentatives pour le faire bander sont vouées à l'échec. Vous ne cherchez pas dans la bonne direction. Christopher Walmart est un homme complexe qui déteste le contact physique depuis qu'il s'est fait capturer pendant la guerre du Vietnam. <laughs> Ces putains de Viet l'ont attaqué et lui ont administré de nombreuses olives dans l'anus. Le pauvre homme, il ne s'en est jamais remis. Depuis, il vit sa sexualité par procuration. C'est un voyeur. Un candole. Hmm... À distance, je faire. Un gros coq. <laughs> Vous en savez déjà trop. Bonne chance à la bella. Annabella relit la note plusieurs fois, puis pour ne pas qu'on l'accuse d'avoir triché, elle la mangea pour faire disparaître la, la preuve. Une heure plus tard, Gerfred vient toquer à la porte pour l'amener au petit déjeuner de Lord Christopher Walmart. Annabella se jeta alors à l'eau. Gerfred, j'ai un service à vous demander. <laughs> je doute de pouvoir vous aider, mais je vous écoute. J'ai l'intuition que ce qui excite Lord Christopher, c'est de voir d'autres personnes que lui baiser comme des porcs. À ce titre, je me demandais si vous accepteriez de me déglinguer sur la table du petit déjeuner devant lui. Maintenant que vous avez besoin de moi, vous acceptez que je vous pilote la chatte C'est très vexant. Je ne sais pas si j'ai toujours envie. Hein. Je vous en supplie, cher Fred. Vous pourrez me faire toutes les dégueulasseries dont vous avez toujours rêvé. Bon, si vous me, si vous me suppliez, alors j'accepte. En plus, vous êtes particulièrement bonne aujourd'hui. Hein. Il mit un doigt à Nabella, mais celle-ci dégagea sa main. Attendez d'être devant Lord Christopher Walmart. Oh. Ils arrivèrent comme chaque matin dans l'immense living room où Lord Christopher prenait son petit déjeuner. Aujourd'hui, c'était un flan aux abricots et café macchiato caramel pour le BDG gourmand. Annabella se planta devant lui et d'un revers de la main envoya balader son petit déjeuner par terre. Elle grimpa à quatre pattes sur la table et se cambra, se cambra pardon, et fit un clin d'œil à Jarfred pour qu'il vienne la déglinguer. Ce dernier s'exécuta et les copulèrent comme des facochères sous les yeux de Lord Christopher. Des facochères ouais. Après deux heures de sexe très très hard, plus. 86 positions parfaitement exécutées, 12 litres de sueur expulsés, 12 litres également de squirt qui ont giclé à la même table de la salle à manger. À ah, même la table, pardon. 15 orgasmes. Non, orgames. 15 orgames. Annabella commençait à fatiguer. Sans crier égard, Lord Christopher se leva, baissa sa braguette, sortit son pénis. Annabella était fébrile mais pleine d'espoir. Elle redoubla d'efforts en s'empalant sur la quéquette de Jarfred. Donne tout, ma belle. C'est le moment. Je vais te sauver, mon amour. Nous allons bientôt être réunis et nous allons pouvoir baiser, pensa-t-elle. Elle avait les yeux rivés sur le pénis de Lord Christopher. Après quelques minutes debout sans rien que, sans que rien ne se passe, son zizou frémit. Oh, le zizou l'a frémi. Annabella en était sûre. Son pénis avait bougé. Il commençait légèrement à bander. Oui. Annabella cria à plein poumon pour stimuler les businessman. Elle le tenait. Elle allait y réussir. Oh, il va bander, il va bander, il va bander. Ah oui. Je suis une vilaine petite gothique Clippé. Fais couler mon make-up noir sur mes joues de cochonne. La quéquette de Lord Christopher continuait de monter. Elle avait atteint le stade qu'on pourrait qualifier de mimole oh Fous la moi dans le derrière Racle ma crotte et étale la moi sur les dents mmh, mmh, Le bon dentifrice mmh, Que votre brosse à dents est énorme Encore, encore <laughs> que votre dentifrice, que votre euh, brosse à dents est énorme, j'adore. Oui, le sang affluait milli, millilitre par millilitre dans la verge veineuse de Lord Christopher. Ça va y, y faire, ça va quelques faire. centimètres et Annabella aurait réussi sa mission. Allez, allez, allez Soudainement, hein Lord Christopher débanda complètement. Merci pour ce spectacle, Annabella, mais ça ne suffira pas. J'en ai bien peur. Je vous laisse, je vais aller promener mon chien. Je parle bien sûr de votre mari. <laughs> Jarfred, donnez-lui une éponge pour qu'elle nettoie les fluides qu'elle a foutus sur ma table à manger. C'est du noyer dans l'époque Louis XV. J'y tiens. Bonne journée. L'un de Christopher rentra son zob dans son pantalon et sortit. Annabella était abattue. Putain. Je te confrois pas, on m'avait informé que c'était un pervers et qu'il adorait mater les autres baisers. Je sais. C'est moi qui vous ai écrit cette lettre anonyme pour euh, pouvoir vous faire l'amour. J'ai tout inventé. Salopard, tu mets la vie de mon homme en jeu! Oh, désolé Annabella, mais vous êtes beaucoup trop bonne! Dans ce stratagème, je n'aurais jamais pu tirer un 10 sur 10 comme vous! Quand je vais raconter ça à mes potes, ils vont halluciner! On est comme ça, nous les garçons! Annabella, folle de rage, se jeta sur l'entrejambe de Jarfred et lui sectionna les couilles avec les dents. Chouing! Et ça va pas? Espèce de malade, mes putains de couillasse !» Comme il bandait encore, la pression était telle qu'il se vida de son sang intégralement en quelques secondes. Jarfred. Jarfred décéda. Oh. Annabella eut alors une idée. Elle nettoya tout le sang et traîna discrètement le cadavre tout rappelé de Jarfred dans sa chambre. Elle découpa la peau de son <laughs> visage et s'en fit un masque. Elle vola ses habits. Elle était devenue Jarfred. Personne à part Annabella ne savait Belle encore qu'il était mort. Annabella était censée être enfermée dans sa chambre. Elle oh. avait donc un coup à jouer. Oh. Elle sortit dans les, dans les immenses couloirs du manoir déguisée en Jarfred. J'arrive. Elle ne savait pas où aller. Tout ce qu'elle avait vu du lieu était la salle à manger et sa chambre. Au détour d'un corridor, elle se fit interpeller par un autre sbire. Attends, mais elle est complètement cinglée. Annabella, elle a tué euh, Jarfred. Et Jarfred, on te cherchait partout. Le maître a besoin de, ton... de toi pour son bain. Annabella répondit maladroitement. Oh oui, bah, merde, il faut que ce... faut je fasse. Que passe... tu fasses ma voix qui était. Bah alors bonjour, c'est ah Jarfred. Oui. Euh, ah oui, euh, le bain. Oui, bien sûr, j'arrive. C'est où déjà C'est bien. Hein Vas-y, fais le mec. Bah, comment ça, c'est où Ah bah non, peut-être pas la même voix. Hum. Ah, comment ça, c'est où Tu es très lourd, Geoffrey. Jafred maintenant. Mm. Et tu as une très vilaine peau aujourd'hui. Et je te pisse à l'arrêt, fils de pute Répondit Annabella, prise de panique. Moi, bah, tu étais moins agressif hier quand je t'ai laissé sniffer mes baskets pour pouvoir te branler en pensant à la gothique Jafred. Dépêche-toi de, oh, de, euh, bon. euh, oui, Dépêche de rejoindre le patron. Il déteste attendre. T'as fait la voix de quelqu'un. Euh bon Oui, je Déteste attendre. Attends. Dépêche-toi de rejoindre le patron. Il déteste attendre. je l'ai plus. Tu l'as plus Lesbière prit congé d'Annabella qui se retrouva seule. Il prend beaucoup congé, donc moi je pense qu'il travaille pour avoir des vacances comme oui. ça. Elle ouvrit une à une toutes les portes qu'elle croisait. Après 30 minutes d'essais infructueux, elle tomba nez à nez avec Lord Christopher Walmart qui prenait son bain. Il jouait avec un petit canard en plastique et s'amusait à faire des trous dans la mousse avec son zizi. Il remarqua finalement Annabella. Oh, C'est pas trop tôt, Jarfrey, elle est au travail. Annabella ne savait pas quoi faire. Elle prit une brosse et commença à lui frotter le dos. Pas ça, crétin pas ça, crétin, ça Lord Christopher en désignant une petite boîte posée euh, sur le lavabo. Annabella l'ouvrit. Elle contenait une cinquantaine de lettres. Elle comprit qu'il s'agissait de lettres d'amour d'employés de Walmart oh. adre adressées à Lord Christopher. Elle en prit une au hasard et la lit. « Cher Lord Christopher, j'imagine que vous ne lirez jamais ce courrier, mais je tente quand même ma chance. Je ne suis qu'une simple hôtesse de caisse qui travaille au Walmart de Farmington dans le Connecticut. <laughs> ces quelques mots pour dire toute l'admiration que j'ai pour vous. Votre sens aiguisé du management et votre charisme laissent souvent rêveuse. Quand je suis à ma caisse, je suis de nature Exactement, timide. » Mais l'écrit rend les choses plus simples. Je me sens stupide de vous avouer ça car on ne connaît, on se connaît pas. Mais je vous aime. Ce qui fait bander, c'est l'amour. Ouais. Cynthia, humble hôtesse des il caisses il parmi tant d'autres. Elle cherche une alternance. Elle, ça se sent. Elle cherche une tu alternance. Tu penses ouais. mmh. Non, je ne pense pas. Annabella... Je pense qu'elle est amoureuse. <laughs> Le du mec, c'est ça. Comme Mickey. Annabella replia la lettre et remarqua que Lord Christopher s'était endormi avec une, une énorme trique dans son bain. Et là, elle est compris. Depuis le début, tout ce que cherchait Lord Christopher, c'était de l'amour. Annabella ouais. retourna dans sa chambre, attendre part, patiemment le lendemain. Elle savait ce qu'elle avait à faire. Elle enleva le déguisement de Jarfred, roula la peau de son visage dans sa tête d'oreiller, comme <laughs> si c'était un morceau de jambon, Erta. Hum, mmh, pas mal. Chapitre 8, l'amour. Chapitre 8, l'amour. L'eau du dernier jour du défi de Lord Christopher Walmart s'était levé. <laughs> Beaucoup de placements, oui. Et Mora, Mora Erta. <laughs> Annabella se leva et se fit belle comme chaque matin. Mais cette fois, elle ne s'habilla pas sexy, elle s'habilla élégante, avec oh. une jolie robe noire qui lui arrivait aux genoux. Comme Jarfred était mort, elle descendit toute seule dans la salle à manger à l'heure habituelle. Lord Christopher l'y attendait. Pardon, je, en fait, je regardais ce qui se regardait dans, dans la télé. Mmh. Bonjour Annabella, quel spectacle pathétique allez-vous encore me proposer ce matin C'est votre dernière chance de me foutre la gaule, pour rappel. Annabella ignora la raillerie du PDG, elle tira une chaise pour s'asseoir à côté de lui et prit ses mains dans la sienne. Lord Christopher, je voulais vous dire que malgré tout ce que vous avez fait subir à mon mari, j'ai appris à vous connaître au cours de ce mois. Et j'ai su, su lire entre les lignes, dans le fond, que vous êtes quelqu'un de profondément humain. Ah bon Je ne pensais pas m'attacher à mon bourreau. Je crois qu'il s'agit du syndrome d'Helsinki. Helsinki, <laughs> c'est... C'est en Finlande. Euh, Stockholm. Euh, oui, bref, Lord Christopher Walmart, je vous aime. Voilà, c'est dit. Un silence gênant envahit la pièce. Après quelques secondes, un grincement se fit entendre. Annabella vit la table se soulever <laughs> au niveau de la queue de Lord Christopher Walmart. Annabella attendait l'approbation de Lord Christopher, mais elle savait qu'elle avait, qu avait réussi. Lord Christopher leva les mains et lança un slow clap que personne ne suivit car il n'était que deux dans la pièce. Annabella, je vais être honnête, je n'y croyais plus. Enfin, il vous aura fallu un mois entier pour comprendre que certains hommes ne sont pas attirés par le sexe bestial, mais par la puissance des sentiments et le romantisme. Bravo. Vous m'avez donné du fil à retordre. Vous êtes différent de la majorité des hommes. <laughs> Merci, Annabella. Maintenant que vous m'avez dévoilé vos sentiments, qui je l'espère sont sincères, je veux bien qu'on se fasse un petit missionnaire pour vous jeter dans la chenille. À la schneck. Soit. Annabella se dit que c'était la dernière ligne droite avant la délivrance de son mari. Elle s'exécuta et là sur Lord Christopher. Après trois bonnes secondes, il vint. Oh, 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 oh oui, putain, que c'est bon, salope. T'aimes mon jus, sale guenon ah, Merci, Annabella, ça fait un bien fou. Sale Bien, maintenant, j'aimerais que vous libériez. <laughs> que vous libériez Mais c'est parce que t'es censé enchaîner Je sais, mais vraiment, il n'y a que le EZ. Êtes... Pourriez-vous me faire un petit anus avant histoire de ce qui était bon ami. Oui, bon, ok. Annabella racla l'anus décrépit et sale de Lord Christopher. Elle avait des, les, des poils de fesses plein la langue, mais donnait quand même du cœur à l'ouvrage. Voilà. Voilà. Ah voilà, à votre tour de remplir votre part du marché, dit-elle avec des petits bouts de caca séché plein à la langue. <laughs> Soit, Annabella. Lord Christopher tira sur une sonnette. Un oui, oui. sbire entra et quelques secondes plus tard. Oui, maître Oh, Winner allez me chercher mon chien. Bien, maître! Oui, dit Fred. Le sbire revint bientôt avec Lord Gontran en laisse. Lord Gontran l'appela. Viens me voir, mon beau pépère. Oh, oui, tu l'aimes, ton maître. Hein Lord Gontran était dans un sale état. Il léchait la joue de Lord Christopher avec entrain. Après quelques léchouilles, ce dernier le repoussa. Allez, casse-toi maintenant! Arrête de jouer avec les barres et tâche d'être loyal leur business. Lord Gontran se releva et enleva on, le collier de chien qu'on lui avait mis autour du cou. Pour la. Euh, de, bon, pardon. Euh, euh. Pour la plus soucou d'année, je fais comment Eh bien, tu n'auras qu'à aller chez le vétérinaire pour la faire enlever, rétorqua Lord Christopher sèchement, comme s'il était dégoûté de laisser partir son animal de compagnie. Lord Gontran se tourna vers Annabella et la prit dans ses bras. Merci mon amour, je t'aime à la folie. Quittons ce lieu et retournons vite au camp de vacances pour vivre notre nouvelle vie à fond les ballons. Annabella mouillait un peu d'émotion. Je, je t'aime aussi, Lord Christopher. Je... Je tu m'as trop manqué, dit-elle en l'embrassant avec la langue. Ah oui, surtout qu'elle allait lécher le trou de balle d'eau oui. juste avant plein de caca. Mmh. On aurait dit deux collégiens amoureux pour la première fois. Lord Christopher était blasé. Bon, si vous euh, pouviez aller vous bécoter dehors, ça m'arrangerait. Oh. Oh, déjà, jaloux !»« Oui, pardon. Adieu, Lord Christopher. Bonne continuation dans le monde de la grande distribution, dit Annabella. Ouf ouf! Ouais, Je plaisante. Au revoir, Lord Christopher, <laughs> enchaîna Lord Gontran. Les deux tortues <laughs> reprirent la direction quand un sbire entrait, entra paniqué dans la pièce. Lord Christopher! Jarfred est mort, regardez! Il brandit la peau de, du visage que, de Jarfred qu'il avait trouvé en nettoyant la chambre d'Annabella. Lord Christopher se leva furibard. Quoi? <laughs> Vous avez tué mon Jarfred? Le contrat est rompu! Sécurité! Une dizaine de sbires bloqua la sortie à Annabella et Lord Gontran. Ils saisirent Lord Gontran sans ménagement. Lâchez-moi mon sang Mettez-le à genoux devant moi, dit Lord Christopher en s'approchant de lui. Quand le visage de Lord Gontran n'était plus qu'à quelques centimètres de l'entrejambe de Lord Christopher, celui-ci baissa sa braguette et sortit son pénis, puis passa sa main dans son dos, il sortit un flingue et tira une balle dans la tête de Lord oh Gontran. Ça le servait... clair est mort dans le chat. Sa cervelle explosa. Et son cadavre tomba par terre dans une flaque de sang. « Non Mon amour !» hurla Annabella. « Mettez-moi cette chose dehors, que je ne la revois plus jamais. » Insubir se permit une question. Euh, « Pourquoi avez-vous sorti votre quéquêtre, maître vénéré ?»« Bah, Pour le style, tout simplement. <laughs> »« Respect à vous, maître. » Puis il emmena Annabella hors du manoir et ferma la grille derrière elle. « Mais Lord oui. Bontron Leclerc est mort !»« Non, oh, non, épilogue. Regarde. »« C'est l'épilogue ?» Elle est triste et gothique. 20 y a une ans photo plus tard. Gothique. 20 ans plus tard. 20 ans plus tard. 20 ans plus tard. Annabella, la quarantaine, le regard vide, remis le séparateur de caisse sur le tapis roulant. Le carte est mort. Attends, mais elle est, elle est de revenue caissière. Bonjour, vous avez la carte du magasin Non, c'est à moi de faire. C'est un vieux monsieur, c'est ah, moi pas le vieux monsieur. Bonjour. Non, mais non, demanda-t-elle à un vieux vieux monsieur, ça n'a pas de sens. Bonjour, vous avez la carte de fidélité Oui, je l'ai. Vas-y, refais, refais. <laughs> Bonjour, vous avez la carte du magasin Demanda-t-elle à un vieux monsieur. Non Dépêche-toi de m'encaisser la goutte. Dépêche-toi de la gothique. De mon temps, on t'aurait mieux bûché pour t'habiller aussi dark, traîné. Annabella encaissa la remarque sans broncher. Elle avait l'habitude. Ça fera 42 euros et 50 centimes par carte, monsieur. Ouais bip, bip. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Annabella avait fini son service. Elle ferma sa caisse et sortit du Lidl dans lequel elle travaillait au Black depuis la mort de Lord Montrant Leclerc. Vingt ans que travaille au Black dans un Lidl. Vingt, <laughs> 20... bah 20... vingt déjà, 20 ans déjà que sa vie n'avait plus de saveur. Les oh. paroles du méchant client résonnaient encore dans sa tête sur la route chez elle. Alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans son huit mètres carrés miteux, mmh. elle fit un détour et passa par un pont qui surpomblait le périphérique. Elle était pensive. Elle repensait aux vingt longues années sans saveur qu'elle venait de passer. <laughs> euh, oh Lidl Peut-être impossible de faire rentrer quelqu'un black chez Lidl. <laughs> bah oui. Ah oui, mais <laughs> bon. Euh, sur les apps de dating, elle avait écrit veuve dans oh. sa bio, ce qui étonnamment excitait beaucoup d'hommes. Annabella n'avait aucun mal à trouver des partenaires sexuels, mais maintenant qu'elle savait qu'elle avait connu l'amour véritable, oh. son existence était vide de sens. Elle observait les voitures passer en dessous d'elle à vive allure. Elle était comme hypnotisée. Elle ferma les yeux et pensa à sa vie d'avant, quand elle vivait des aventures avec l'homme de sa vie, Lord Gontran Leclerc. Elle pensa à la vie heureuse qu'elle aurait pu mener à ses côtés si une malheureuse erreur professionnelle n'était pas venue tout gâcher. <laughs> elle s'imagina embrasser Lord Gontran une dernière fois. Elle se rappelait parfaitement de la sensation douce et apaisante que lui procurait chacun de leurs baisers. Elle mouilla un petit peu, puis elle sourit. Lentement, elle l'enjoba le la barrière du pont et ferma les yeux. Pardon, et ferma les yeux. Elle sentait le vent dans ses cheveux, les voitures roulaient tout à tout allure en dessous d'elle. Après quelques minutes, elle lâcha prise. Fin. fin. La fin du livre. La fin de tant de sensations c'est marché, c'est se suicide, quoi. Trop. Merci à Bazoom Publishing, mon éditeur qui a cru en moi. Merci à tous les boss qui ont rendu jusque-là. Et respect à tous les guerriers qui ont rendu jusque-là sans bander. <laughs> T'es un guerrier, du ouais, coup. Ouais, je suis un guerrier, je vais bander. Merci à Maïla, ma rélectrice officielle pour son travail d'exception. Beau la follow sur X en urgence. Billy, Billy Megaboy. Boy. Son compte est 100% Alexandra Chevalier approved. Putain. Pour me contacter, il y a toujours des. Ces mails de sites. merde, ouais, ces sites de merde. Et on Et a. Attendez, on a chapitre post-générique. Oh, on a un chapitre post-générique, oh, oh C'est Marvel C'est Marvel <laughs> Annabella lâcha une main, puis un à un, chacun de ses doigts de l'autre main. Elle se retenait plus qu'à un seul doigt avant de tomber sur l'autoroute et de se faire écrabouiller par des automobilistes pressés de rentrer chez eux après le travail pour aller secouer leur bonne femme. <laughs> elle allait enfin quitter ce monde de souffrance. Une voix retentit Annabella Attends, Attends Annabella se rattrapa au dernier moment à la robe et elle se retourna mais n'arriva pas à distinguer le visage de l'homme qui l'avait interpellée. Ce dernier portait une grande cape, mais sa voix était familière à Annabella. Que me voulez-vous Je n'ai plus rien à faire dans ce monde. Je suis vieille, moche, et je ne connaîtrai plus jamais l'amour, cria t elle L'homme baissa sa capuche. Malgré les années, elle le reconnut instantanément. Swaggy Bif Annabella, je sais comment faire revenir Lord Gontran Leclerc. Quoi Pardon. C'est la fin. Swaggy Bif Swaggy Bif Ça veut dire que Swaggy Bif, il peut faire revenir Lord Gontran. En... <laughs> Oh, le flat twist de le plot Twist oh, <laughs> Tous bien. ces livres pour un plot twist aussi, aussi fou! Mais c'est bien mieux qu écrit qu'un qu 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 film. Moi, comme j'ai mis sur ma review, c'est mieux écrit que Twilight. C'est bien mieux écrit que Twilight! Bravo! On n'a pas, que c'était le dernier tome. Je sais pas où est le, 3, le premier d'ailleurs. Bah C'est oui, le dernier tome. C'est une, une quadrilogie d'ailleurs parce que tu peux l'acheter en quatre oui. livres ensemble. Donc ça veut dire que il a soit jamais de fin, soit un jour il y aura une suite. Quoi. Bah ouais, du coup. Avec euh, soit Gibif qui fait revenir avec les pouvoirs de supermarché peut-être, de Gontran. C'est vrai qu'on a eu Walmart, Leclerc, Carrefour, Auchan. Oui. Mais Lidl à la fin comme ça, ça se trouve à Lidl il y a un truc tu vois. Il y a Lidl. Il y, y a Aldi. Il les... y a Aldi. Il y a plein d'autres supermarchés. Il y a Grand Ah pas... oh, il y a Grand Il y a quand même. Super U. Il y a pas eu Super, ah, Super U. oui Super U. Super U. Il y a cora ah on l'aperçoit je crois je sais plus cora il y a cora si c'est possible ah oui si il y a cora ouais. on... ah putain il a dit que c'était le dernier bah euh, en fait à la base on il n'a même marcher. pas dit qu'il y en avait trois autres hein. oui il non. a fait, fait une vidéo pour dire qu'il sortait le premier livre Tentation supermarché et après on a vu sur amazon qu'il en avait sorti trois autres donc du coup qu'il a fait une quadrilogie qu quelque part mais bon on l'a pas vu ou sur les réseaux quoi mm. bon, on l'a pas vu et euh... et est-ce qu'il y a fait si une suite a fait ou pas, fait. pas je sais pas faut aller voir, c'est Alexandra Chevalier, son... Comment on appelle ça, son... Non, comment non, on appelle ça, son... son... P vais dire, pseudonyme, mais c'est pas bah, ça. Son nom d'autrice. Ah, alias Son alias d'autrice. Il euh, euh, faut aller voir sur les réseaux, quoi. faut aller voir sur... Euh... HTTPS... Ah, putain, non. Alex, euh, www facebook.com slash alexandra.chevalier23 ou https slash www.instagram.com slash alexchef97. 97 attaché. Il <laughs> fallait voir ça en fait. T'as pas ton portable on Va voir mmh. là. Ah oui. on va sur Instagram et va voir alexchef97. C'est sais qu'on n'a jamais été voir. Non. Trop nul. A-L-E-X-C-H-V-97. -E Tais-toi toi. toi. Non, il y a. Bah, la ah, c'est ta compte, compte est privée. Est privée. Bah, attends, bah, tu vas faire une demande. Pas... Attends, c'est marqué. Alexandra Namaste, prof de yoga et autrice de tentations au supermarché. Startsteed Start Andromède, si translation. Amazon.to. Et du coup. Euh... Ah, moi, je veux savoir, hein, putain. Après, t'as as un mail pour me contacter ou sinon t'as Facebook. Mais qui va sur Facebook euh, Personne. Ouais. Oh, moi, je veux qu'il y ait une suite, hein. Putain, j'ai trop envie qu'il y ait une suite, hein. J'ai envie qu'il y ait une suite. Euh... Après, les cartes téségrées, oh, bon, bon. <laughs> les cartes t euh... pour le moment, les cartes téségrées, Baldur's Gate 3, donc avec la tête de Shadowheart, là de Umbraker, n'a plus l'effet de faire un stream lecture érotique parce que j'ai changé la carte parce que euh... n'avait plus de livre justement. Si un jour il y a une suite, on réactivera peut-être. Je changerai, je remettrai la. Euh... Je referai en sorte que cette carte fasse ça là. attendant, j'ai mis autre chose. Quoi. Donc, du coup, euh, on verra. Mais moi, s'il y a une suite, on la lira en stream. Hein. C'est obligé. C'est obligé, la team. Est-ce que je vous remonte le programme de la semaine prochaine, au cas où, pour ceux qui n'ont pas vu Oui. Voilà. Euh, parce qu'il va bientôt être 20h, donc c'est nickel. Bon. Euh, du coup. Allez. Oui. Du coup, lundi, demain. 20h Minecraft, alors c'est caché dans le chat mais c'est pas grave, vous voyez. Demain 20h Minecraft sur le serveur. Oh sombre évidemment. Mardi pas de stream, mercredi non plus. Euh, jeudi 20h, samedi tout die avec Alita Géjor. Nous allons continuer et nous préparer pour une future ligne de sang mais surtout bah, euh, continuer de, de trouver des bouquins, faire des explorations pour essayer de, de, de finalement d'arriver à un moment où on, on a un peu des compétences qui nous permettent de faire des pipis. On veut des voitures, on veut des tourelles automatiques, on veut des quacoubés, on veut tout ça. Euh, vendredi... Minecraft 20h comme euh, comme lundi, hein, parfait, hein, tout ça. Baldur's Gate samedi à 16h avec une jolie photo dans mon cœur, t'as vu? Oui. Euh, où nous allons continuer avec Bratou. Nous avons bien avancé. Il s'est passé des dingueries. Euh, notre combat, nos combats de, 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 la semaine, de cette semaine de samedi hier, étaient fous. Et euh, ce sera du 16h, mais on finira pas à 20h. On finira un peu plus tôt parce que j'ai une soirée samedi soir. Et dimanche 16h20h, Minecraft également, parce que le serveur est trop bien et qu'on adore Minecraft. Et on attend, que, euh... on attend que. On attend que Justine rejoigne le serveur. C'est pas possible ça, on en peut plus. Hein. J'avoue, Justine, tu fais. Bah, quoi, je sais pas, hein. en plus, elle m'aide pour l'archéologie, elle m'a dit des trucs et tout, mais elle ferait mieux de venir. Euh... Bah oui, Justine. Ouais, c'est quoi ça, Justine, là, la grosse pile là Je suis sur le serveur. Oui, mais ah. tiens, attends, 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 Justine, elle est sur le serveur, mais elle vient jamais. Ah. C'est ça ce que je veux dire. Elle est venue deux fois, je crois. C'est bon. Les gens comme ça, moi, j'en peux plus. Hein. Menteuse. Je joue juste pas. Voilà. Oui, voilà, c'est <laughs> ça. C'est bon. Ah, bah ouais, ah, alors, grosse bravo. mytho. Ah, ouais. Yes. En tout cas, j'espère que cette dernière lecture de Tentation au supermarché vous a plu. Moi, j'ai bien aimé le, le dernier tome. En fait. J'ai trouvé bien. C'est juste que Lord Gontran est mort. C'est un peu triste, quoi. Bah, ou pas, hein? Bah, je si, c'est triste, dit, oui, mais est... il est mort comme moi, moi. Mais il est de merde Moi, tes croquettes Bon Bah, enfin, la Tonton? pauvre. T'entends comment il te parle Comment il te parle Nous, on t'aime. Mais ah, il et va revenir. Coucou, mais il va revenir, on n'en sait rien s'il va revenir. Le truc, c'est qu'il devait revenir, mais euh, euh, il peut revenir. Mais là, le problème, c'est qu'Annabella, de toute façon. Annabella Elle a passé 20 ans dans la tristesse, tu vois, ça l'a forcément marqué. Ouais. Moi, je pense qu'elle n'est pas bien, Annabella. Et revoir du coup, bah oui, ouais, sûr. Moi aussi, je suis sûr, mais bon, on sait pas, tu vois, elle avait été au point de vouloir se suicider. Donc, si tu es au point de vouloir te suicider, après, t'es marqué à vie, c'est compliqué, tu vois. Putain, je viens sur les fins ouais, t'as tout loupé, lignac, t'as loupé là, le dernier tome de tentation au supermarché, t'as loupé Yes qui danse comme ça, regarde, vas-y, lâche là Oh, oh bébou, vous avez entendu? Oh ma gogo, tu veux regarder là, elle est si belle. Est <laughs> Vous l'avez entendu ou pas dire lâchez-moi oh. C'est trop mignon quoi, elle dit lâchez-moi. J'aime trop. Bon là lâche quand elle dit lâchez-moi. Sauf qu'après je vais la taper bien sûr. Ça va pas Attends, on me voit pas là C'est bon Oui, on a entendu. Ah. Ah. Ta mère. Ah. J'ai loupé mais j'ai pas loupé mon copain. Ah, non, t t en t en fou, on s'en bat les couilles de ton copain Lunia. Qu Est-ce que, est est que ton copain c'est l'ordre Gontran le clair Je crois pas. Donc Je crois pas non plus, non. Pour une fois, on passe du temps. Ouais, ouais, ouais. Bah, vous auriez pu passer du temps devant Mais t'as vu pourquoi sur le chat ça marque le nom et en dessous la phrase Au lieu de mettre à droite. Ça dépend puis... quand c'est long. Bah, mais ça devrait pas faire comme ça. Hein. Normalement ça fait en deux fois. Ah ouais Bah, tu vois, ça ouais, fait beup, beup. Tu vois Bah. Je sais pas. Et au pire, c'est pas grave, tu regarderas la rediff. Bah, oui, tu regarderas la rediff et tu feras waouh, mon gars, il est ah, non, comme fou. ma brique ouais. ah ouais un peu ouais mais non mais vous avez vu c'est bizarre ça met pas son nom, nom euh, que une saucisse ah, je sais pas c'est comme le, le papy, c'est marqué dessus hein. okay. ah non c'est pas comme ça qu'on dit bon en tout cas les saranzous on va se laisser là dessus yes. euh, merci de nous avoir suivis merci euh, pour vos réactions euh, euh, comment dire euh, comment on dit déjà de quoi je sais pas comment dire le truc on voit bien que vous avez okay. été choqués par cet hein, dans tous les sens du terme euh, on vous fait des gros bisous, on vous dit à demain 20h. De toute façon, du coup, elle ouais. sera sûrement dans le chat. Dans le chat, euh, ouais. dans le feu. J'avoue, je suis bizarre. Test de message pour savoir si ça met le message à la ligne sur le chat. Quoi couper Ben non, tu Et vois. Gros, ça y est. Tu vois, c'est trop bizarre, ça main. fait pas ça normalement. C'est pas normal Mais ça, ça n'a si jamais. Si, ça a toujours fait ça. Mais c'est mon con, non Bah ben non. Ça va pas couper leur frère. À quel couper. moment ça couperait en plus j'ai fait bah ça met bien message à la ligne <laughs> ça met bien ligne à la ligne ça la bien à la, li à la li <laughs> ça met bien ligne à la euh, au bout non quoi je bah ça dire. met bien à la ligne au bout sur le chat quoi quoi est y est, tu vois ça met à la ligne ça pourrait commencer à droite ah du oui, pseudo et continuer c'est ça que je comprends pas normalement ça faisait ça avant ça commence à droite sinon c'est trop ouais. bizarre que les autres messages les autres cours devraient être en dessous aussi à ce moment-là ouais. ça n'a aucun sens que vous dites qui s'en fout moi je m'en fous de rien parce que c'est mon habillage et que je le travaille. Je m'en fous de rien, envie de fou. Aïe. Ah, ça fait mal, hein Vas-y, encore plus fort. Non. Plus moins fort. <laughs> non, bien sûr, moins fort. <rire> <rire> <Je> me frappe <laughs> J'adore. Je suis aveuglée par la lumière. Ouais, moi aussi, je m'aveugle. Elle est et forte. Elle est à hein. la lumière. À 30%. Fallait pas la regarder. Bon, les Saranzous, on vous laisse. On vous fait des gros bisous. pour les soins de vous. On se retrouve demain 20h. Je vous fais des gros oubis. Je vous fais des caca dans le cul-cul. C'est bon, Lita tu dis au revoir. Au revoir. Ce soir, il y a un film. Je sais pas ce que c'est. Allez voir le film avec juste. Oh, la musique! Hein Le film, c'est Volatilité de Couscous. Ouais, 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 La vie de Brian. Ah, Justine Lapine. Wabadi-boubou. écoute moi bien, yes de merde. Mange tes croquettes. Follow your dreams.